tous les soirs et jusqu'au bout. Je sais pas si vous m'entendez bien, sinon je vais mettre le casque. Alors, on va faire une soirée. Ceux qui veulent venir intervenir, je vous passerai quelques petites infos comme d'habitude. Et après, on passera donc à la conférence. On aura ce soir Richard. Richard sera parmi nous. Et d'autres personnes. Vous aussi, vous pouvez venir. Hein. Donc, vous me faites signe sur Messenger ou alors vous cliquez sur le lien que j'ai mis dans la publication. N'hésitez pas à partager, mes chers amis, comme ça, les petites infos que je vais passer, un maximum de monde les verra. Je vous rappelle que moi, je ne peux malheureusement pas partager. C'est comme ça. On me coupe tous les soirs, on me massacre les lives Facebook. Du coup, ça sert à rien que je partage parce qu'il faut repartager et qu'on a tous un quota de partage et moi je l'ai atteint. Je suis bloqué jusqu'au 22 et le groupe que j'ai créé donc concernant les gilets jaunes, je ne peux même pas l'enrichir. Donc j'attends. Je rappelle que hier aussi, comme les autres soirs, le direct donc il a été coupé sur Facebook, mais il n'a pas été du tout coupé sur VK. VK étant VK étant le Facebook russe. Et vous voyez la différence, vous comprenez le lien entre les coupures et la censure. Tous les soirs, Facebook est coupé. YouTube, c'est simple, ils m'ont dit pendant 90 jours, je peux pas faire de live. Et sur VK, vous avez des vidéos de 7 heures, de 4 heures, de 7 heures, sans problème, aucune coupure. Donc ce n'est pas un problème à ma connexion, sinon j'aurais pas pu envoyer le flux sur d'autres sites comme VK. Mes chers amis, je vais voir qui est là. Alors, bonsoir Delphine Morgenthaler, bonsoir Marie Blinblin, bonsoir Angélique Spacesi. Tu es nouvelle et c'est ta copine qui t'a fait découvrir. Eh bien, bienvenue, j'espère que tu ne seras pas déçue. Merci Marie, vous m'entendez. Davidi, Ressasser, ça fait un moment que je t'ai pas vu. Bonsoir. Pas trop, vous m'entendez pas trop. Eh bien, on va améliorer ça. Hop. Voilà. Là, normalement, vous m'entendrez bien. Oui, Richard va venir, Marie. Coucou, Richard Luquet, il est là. Tu es sur VK, tu vois, ça marche nickel, Richard. Cindy, bonsoir Cindy, Goncalves Costa, coucou. Angélique, je t'ai vu. Maintenant, ça s'arrange le son. J'ai mis le casque. Linda Atala. Ah, vous m'entendiez pas. Bah écoute, maintenant, je pense que vous m'entendez avec le casque. Bonsoir Charline Choco, Maïssa Lassen. Alors, vous m'avez pas entendu, du coup je vais répéter. Je vais vous passer quelques petites infos. Il y a une cinquantaine de gilets jaunes qui ont envahi les locaux La République En Marche pour, c'est normal, hein, pour s'exprimer. Hein. Donc il y a cette info, et puis quelques petites infos que je vous passerai. Il y aura donc une conférence, ceux qui veulent venir s'exprimer. On aura donc Richard est inscrit et tous les autres, n'hésitez pas à vous manifester, contactez-moi par Messenger ou cliquez sur le lien que j'ai mis dans la publication. Manifestez-vous clairement en disant je veux intervenir pour que moi je vous rajoute, sinon si je voulais vous rajouter et qu'il se passe rien, ça n'a aucun intérêt. Mahieddin Karout, bonsoir. Merci Angélique, parlo italiano anch'io, no problema. Gigi Nani, coucou,
Merci pour les cœurs, les drapeaux. Linda. Linda, je crois que je t'ai vu. Oui, Linda, je t'ai vu. Bon, vous m'entendez mieux. Eh bien, tant mieux. N'hésitez pas à partager. Je vais vous montrer donc deux petites vidéos tout à l'heure ce qui s'est passé. Donc des gilets jaunes, comme je vous ai dit, se sont introduits dans les locaux de La République En Marche pendant donc un débat qu'ils organisaient entre eux. D'ailleurs, moi, ça me fait, enfin, c'est comme vous tous, hein, je suis choqué. Je suis choqué que ce mec-là, Macron, et puis c'est pas lui qui décide, hein, et puis tous ces francs-maçons, ils nous prennent vraiment pour des gens qui n'arrivent pas du tout à réfléchir. C'est-à-dire que on fait les gilets jaunes pour dire on veut s'exprimer, on en a marre, il va falloir écouter ce qu'on a à dire, et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils improvisent des débats entre eux. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Il nous nargue. Il nous nargue. Moi je dis il nous nargue. Et alors attention, ça tourne beaucoup ces théories. J'ai été le premier hein, à vous en parler. C'est vrai que au début, c'était comment dire, il y a eu beaucoup de une main, il y a eu une main du pouvoir, une main gouvernementale dans le départ des gilets jaunes. Ça, c'est incontestable. Il n'y a qu'à voir Jacqueline Gourault et sa soi-disant vidéo qui a. Mais en revanche, le mouvement a été depuis un certain temps, depuis un certain moment, récupéré. Vous, moi, tous ceux qui se battent depuis des années pour déclencher une révolution, pour parler de vrais sujets, parler de nos enfants, parler de notre liberté qu'on veut retrouver, parler de plein de sujets, d'accord? Nous nous sommes battus pour faire entendre notre voix, et malgré donc que le gouvernement a fait son plan et que il a dans un premier temps suspendu la taxe sur les carburants et dans un deuxième temps il a complètement annulé, qu'il a commencé à vouloir donner des sous donc pour le SMIC et qu'il a filer donc la prime pour les policiers immédiatement, alors que d'habitude il y a une négociation, etc. Ça prouve quoi? Ça prouve que le pouvoir est vacillant, ça prouve qu'il n'a pas le contrôle, ça prouve qu'il n'a pas la maîtrise. Donc arrêtez de croire, et tous ceux qui disent aux autres, là j'ai vu encore des vidéos, arrêtez de croire et de faire croire qu'on est toujours dans leur plan. Non, leur plan. On en est sorti, d'accord? On est arrivé à s'en affranchir. Aujourd'hui, ils font tout pour arrêter le mouvement. Ils n'y arrivent pas. Le jour où ils ont fait l'attentat, vous pouvez, à partir de ce moment-là, vous pouvez comprendre qu'ils n'ont plus le contrôle, d'accord? Parce que sinon, ils ne l'auraient pas fait. Ils n'ont plus le contrôle sur le mouvement, d'accord? Donc, il faut continuer. Il faut arrêter d'entendre ces conneries sur les Illuminati qui sont en train de nous piloter, les conneries sur le fait que les gilets jaunes, c'est des faux, etc. Il faut juste mettre un gilet jaune et descendre, vous montrer. C'est un message pour Macron en premier, pour toute la franc-maçonnerie, de voir que toute leur manipulation, leur blabla entre eux et leur simulacre de débat, ça n'a pas fonctionné. Et que ce samedi, il y aura plus de gilets jaunes que tous les autres samedis réunis. C'est juste ça le message raisonnable, hein. Mais faire des lives, des vidéos, des publications pour dire attention, on est manipulé, il faut pas faire ce qu'ils attendent de nous, c'est-à-dire faut pas manifester, il faut pas faire des révolutions, il faut. Ça, c'est. Je vais dire, vous êtes. Excusez-moi, mais vous êtes des collabos, hein. Vous voulez éteindre juste la révolution. Vous allez pas. On le sait, je suis là tous les soirs pour parler de la maçonnerie, de tous ces complots. Mais dire, il faut pas faire la révolution parce que peut-être, et la franc-maçonnerie, Rothschild, ou que sais-je, ou Soros, ça l'intéresse de faire une révolution, c'est pas valable. Il faut la faire, c'est notre révolution, on s'en fout de Soros, on s'en fout. Il faut la faire, la révolution, d'accord? Donc il faut y croire, il faut la faire.
Arrêtez de décourager les autres, vous vous rendez complice, vous rendez complice de ce système qui veut à tout prix éteindre la révolution et la révolte légitime du peuple. Et moi, en tout cas, et je vous assure qu'on est beaucoup de ceux qui me suivent, on ne fait pas la révolution pour le pouvoir d'achat. Hein. Je passe un message à beaucoup qui répètent la même soupe gouvernementale, hein, les perroquets du gouvernement là, qui se font passer pour des soi-disant complotistes comme nous. Non, non, vous n'êtes pas complotistes. Quand vous parlez de RIC, de pouvoir d'achat, c'est sur tous les médias et de, je sais pas moi, de fiscalité, d'ISF, c'est sur tous les médias. Le vrai problème, lisez ce qu'il y a sur Internet. Il y a un problème de placement d'enfants dans ce pays, d'accord? Il y a un problème de liberté, on n'a pas notre liberté. Lisez sur Facebook, lisez sur Twitter, lisez sur les réseaux sociaux, regardez les vidéos sur YouTube. Il y a un problème de corruption généralisée dans ce pays. La franc-maçonnerie tient tous les pouvoirs. Donc arrêtez vos conneries, à faire des lives, à faire croire que vous êtes du peuple, que vous êtes au courant de tout, et pour parler, répétez comme des perroquets la propagande officielle gouvernementale. Arrêtez, ça devient trop voyant. Ça fait maintenant, ça fait des mois, deux, ça fait 2 mois, ça fait des semaines, d'accord? Ça fait des semaines. À aucun moment vous êtes sorti des sentiers battus, hein, c'est ces mêmes sentiers battus là, à parler toujours. Et le pouvoir d'achat, et on veut des sous-sous, et il faut baisser le prix de l'essence, et on veut les sous-sous, et le pouvoir d'achat. Mais arrêtez avec ça. Et le RIC, vous faites ça pour éteindre la révolution, le RIC, ça sert à rien. Vous demandez aux flics de nous rejoindre et vous allez vous asseoir. C'est parce qu'ils vont le faire, le RIC, vous inquiétez pas. Ils feront tout ce qu'il faut pour éteindre la révolution. Ils vont vous le faire, le RIC. Là, ils font tout justement pour installer dans votre tête comme quoi le RIC, ce serait le Graal. En vous montrant les méchants Sarkozy, Hollande et tous les autres qui disent ah non, le RIC c'est pas une bonne idée, ben justement pour que vous croyez que c'est le Graal suprême, et après vous le mettrez, d'accord? Et après, qu'est-ce qui va se passer? Qui va sortir encore dans la rue? Plus personne, parce que vous allez croire que ça y est, c'était terminé, on a gagné. Il s'est produit la même chose en mai 68, il s'est produit la même chose. Il y avait les mêmes récupérateurs, manipulateurs, pompiers, ça s'appelait Daniel Cohn-Bendit. Ça s'appelait le chanteur Renaud. Regarde les chansons de Renaud, les paroles, je veux dire, il parle, c'est magnifique, t'as envie de. Mais c'est un manipulateur, il fait partie de la combine. Regardez où est-ce qu'il est aujourd'hui, regardez ce qu'il a fait depuis, rien du tout. D'accord? Il se jette dans les bras des flics parce que parce que Hollande avait besoin de lui, parce qu'on commençait un peu à voir dans ses attentats. D'accord? Et qu'est-ce qu'il fait? Il va à Place de la République, il se jette dans les bras des flics. Ça, c'était sous Hollande. Donc, la révolution doit aller jusqu'au bout. Il s'agit de notre liberté, il s'agit de l'avenir de ce pays, de nos enfants, de nos petits-enfants et même de l'avenir du monde. Parce que les guerres, c'est pareil. Vous avez des gens, ils s'expriment, ils vous parlent, soi-disant qu'ils vous donnent des infos, etc. Ils savent pas qu'on est en guerre, ils savent pas que les guerres ça tue, ils sont pas au courant que les guerres ça coûte très très cher, ils n'ont pas eu l'information que les guerres c'est ce qui amène des gens désespérés en France, ils savent pas que ça agit, ça influe sur les conditions sociales des travailleurs qui sont déjà en France, ils sont pas au courant de tout ça. Ils savent que il faut faire sur le pouvoir d'achat, vous savez, ces paroles dans l'abstrait. On veut pas de refaire comme en mai 68. Ils ont créé de la dette pour offrir comme ça de l'argent. On n'en veut pas. Il faut pas se laisser non plus corrompre avec de l'argent. Il s'agit de nous, de notre liberté, de l'humain. À un certain moment, je fais appel à l'être humain qui est en vous. Je suis certain qu'il peut se réveiller. D'accord? Arrêtez de vous laisser corrompre. Les femmes, c'est pareil, ne vous laissez pas corrompre. Ils vous chantent toujours la même chanson sur la pension, etc. Et qu'ils vont s'occuper des méchants hommes qui vous versent pas la pension parce qu'ils vous caressent dans le sens du poil. Mais si vous êtes dans le caca, comme les hommes d'ailleurs, c'est pas à cause des hommes, mais c'est à cause des gouvernants. Nous sommes tous dans le même caca, vous inquiétez pas. Les hommes ne s'en sortent pas mieux que vous. Vous le savez très bien. Pareil, c'est toujours les mêmes, hein.
Ils accusent tout le monde, ils accusent les musulmans de terrorisme et les complotistes, ceux qui font les attentats sous faux drapeau, c'est les mêmes. C'est le pouvoir, c'est les francs-maçons. Regardez dans l'histoire, d'accord? Ils accusent les juifs d'être, ils les mettent à leur place, d'être eux ceux qui fomentent les complots, d'être eux ceux qui tiennent tous les pouvoirs, d'être eux ceux qui tiennent toute la finance. Mais la vérité, mes chers amis, la vérité, c'est que ces gens-là, ils se cachent derrière tout le monde, derrière les musulmans, les juifs, etc. La vérité, c'est que les complots, tout ce qui est obscur, tout ce qui est caché, c'est la franc-maçonnerie. D'accord? De la même manière, quand ils salissent l'Église, ils salissent les chrétiens, ils salissent les catholiques, en les faisant passer pour des personnes obscures, soi-disant, les obscurs c'est eux, hein, pour des pédophiles en puissance, c'est la même manière, d'accord? Donc voilà, c'était mon message. Je vais pas m'éterniser plus, hein, vous me connaissez, je le passe régulièrement, ce message. Je vais passer directement aux infos donc, que je voulais vous donner. Bon, l'info principale, mes chers amis, c'est une cinquantaine de gilets jaunes donc, qui ont forcé, et ils ont raison, l'entrée du grand débat organisé à Besancenot. Lapsus révélateur. À Besançon, avec le patron de La République En Marche, LREM. Donc, je vais vous montrer, il y a deux vidéos dessus. Donc, ils ont pris à partie Stanislas Guérini, le délégué général de LREM. Ils affirmaient avoir été interdits de la réunion. Allez, je vous mets la première vidéo. Hop. Et après donc je vois, je vais regarder vos commentaires. Alors, voilà, merci de votre patience. Je vous mets la première vidéo. Je vous la mettrai deux fois. Je mettrai chacune deux fois parce que c'est des vidéos courtes. Allez, on regarde. N'hésitez pas à partager, comme ça un maximum de monde peut regarder avec nous. D'accord. Bon. En même temps, il y a des choses qui n'étaient pas prévues que je suis en train de découvrir. C'est pas grave, je vais y arriver. Voilà. Là, normalement, ça devrait le faire. Voilà. Allez, on regarde. Il y a des gros financiers, on n'en peut plus de ça. Voilà, c'est pour ça qu'il y a une colère comme ça. Et vous ouvrez même pas la porte à la classe ouvrière, aux gens qui se battent et qui travaillent tous les jours. Et voilà, je dois... Il y a des gros financiers, on n'en peut plus de ça. Voilà, c'est pour ça qu'il y a une colère comme ça. Et vous ouvrez même pas la porte à la classe ouvrière, aux gens qui se battent et qui travaillent tous les jours. Et voilà, je dois... Donc là, c'était une fois qu'ils étaient entrés. Alors là, désolé, hein, j'ai eu des soucis. Donc ça se passe pas comme je voulais. Mais c'est pas grave, on va y arriver. On va y arriver. Donc je vous mets la vidéo où ils se sont introduits. Hop. Voilà, la vidéo
Elle est là. C'est parti. Voilà mes chers amis, et donc je vous avais montré à l'envers la vidéo que je vous ai montrée au début. C'est une fois qu'ils ont réussi à s'introduire et ils ont pris la parole de force. Voilà, bah, c'est à nous de s'exprimer, non? Pourquoi ils font ça entre eux? Bon, voilà, bah écoutez, tant qu'il y aura du courage dans ce pays, on pourra s'en sortir. Donc je vous invite à savoir prendre quelques risques mesurés et à être courageux, parce que sinon ça se fera pas. Et certainement pas en écoutant beaucoup de pompiers qui veulent tuer la révolte. Donc au total, pas moins de 150 personnes étaient présentes dans la salle du Kursaal. Tout le monde n'a pas pu entrer car la salle a rapidement été bondée. Les débats se sont ensuite poursuivis malgré l'atmosphère parfois pesante. Ah bah, c'est pas que l'atmosphère qui va être pesante pour vous, préparez-vous. Alors, je vais voir ce qu'on va faire. Je vais voir si je peux pas prendre donc déjà quelqu'un. Je vais lire très rapidement vos commentaires. Voilà. Je vais faire comme je fais d'habitude, mes amis, hein. Je vais mettre vos commentaires à l'écran. Ça sert à rien de cacher, de faire semblant de lire tout le monde alors qu'on lit juste les commentaires qui nous arrangent, de trier. Voilà, faut quand on veut interagir, on interagit, mais vraiment, jusqu'au bout. Voilà. Donc là j'en étais là. Voilà, j'ai vu, je t'ai vu. Donc tu donnes une explication, Magali Sganjar, bonsoir. Tu dis les flics ont tué 40 euros normalement pour la fin du mois de janvier, et pour le reste, c'est sur négociation, à savoir qu'ils doivent accepter les horaires de ouf. Et pour les 300 euros, il faut qu'ils acceptent d'annuler les heures supplémentaires que l'État doit aux flics. Ce n'est pas l'information que j'ai. Ils ont eu leur prime. Et ils doivent rien en retour. Enfin, ils doivent fidélité. Ah ben voilà, Marie, tu dis, sur les autres groupes, c'est devenu un peu le bazar. Les modérateurs ne trient pas. Eddie Karine Batro Fatmi. Bonsoir. Tu dis, un semblant de liberté, un semblant de démocratie, tout est semblant. Nous, on est les vrais
Attention, l'ordre parle au chaos. Ne soyons pas dupes. Mais il faut, bien entendu, il faut être informé. Mais ça sert à quoi de vouloir, à chaque fois qu'on veut se révolter, de dire attention, attention, ne vous révoltez pas parce que y a les francs-maçons qui guettent, ils vont installer un nouvel ordre par le chaos. Ça sert à quoi? Mais il faut se révolter. Il faut se révolter. Il faut pas accepter notre condition. Il faut aussi ouvrir les yeux. Hein, l'un va avec l'autre. Sébastien Rastafaiz. Ils s'en foutent du mouvement, tu dis. Les gens ne regardent pas assez loin. Tout le monde a de la merde dans les yeux. Pourtant, depuis toujours, les détails et les éléments vous sont donnés. C'est mignon ce que tu dis, cher ami, mais tu ne regardes pas assez loin. Tu t'arrêtes trop dans ton étude du sujet. Écoute, regarde, j'ai lu ton commentaire. Je ne regarde pas assez loin. Dis-moi ce que j'ai raté. Moi, j'essaye juste de nous sortir de siècles d'esclavagisme, d'esclavage. Et il faut tenir compte de tous les paramètres. À un certain moment, il faut se révolter. Aujourd'hui, on a une occasion en or. Il faut la saisir, c'est tout. Si c'est pour passer 100 ans à douter et du coup à ne jamais avancer, ça ne sert à rien. De toute façon, ceux qui ne risquent rien ne perdent jamais, mais ne gagnent pas non plus. Christine Renier, nous devons reprendre le pouvoir, je suis d'accord avec toi. Benoni, Julien, j'aimerais savoir si tu envoies un scanner qui fait des entreprises. Je n'ai pas compris ce que tu m'as dit. Petula Clark, t'as pas enlevé? Non, mon sapin, je le garde parce que je ne vois pas mes enfants et que je l'ai mis pour mes enfants. Donc je vais le garder un certain temps. Peut-être qu'ils le verront. Peut-être que je devrais l'enlever comme tous les autres, comme pour tous les Noëls précédents. Bon, je vais vous dire maintenant bonjour, je vais arrêter de lire. Sinon, ça va faire une soirée trop longue. Lionel Petit, je dis que des conneries, tu dis. Bah moi j'ai pas l'impression. Et si c'est pour m'insulter ou si c'est pour me troller toute la soirée, tu seras bloqué. Mylène Chaussy, bonsoir. Gilles Marteau, bonsoir. Voilà. Voilà quelqu'un de volontaire, quelqu'un de positif. On arrive. Viens, cher ami. Sébastien, tu veux que je te prenne en live? On verra. Moule. Oui, je suis chaud. Je suis chaud, Moule. Bonsoir, Moule. Moule Babouche. Richard. Je t'ai salué. Michael Ravel. Bonsoir. Tu dis, il faut une évolution, pas une révolution. Pourquoi pas? Mais il faut faire quelque chose, hein, ça c'est sûr, il faut faire quelque chose. Tous les pouvoirs dans les mains de la même, du même groupe, ça c'est pas possible. Gilles Marteau, ce sont des sectes pédosatanistes. Et ben voilà, quelqu'un d'avisé. Christine, je t'ai vu. Éric QT, bonsoir. Élise, pardon, pardon Élise. Élise QT, bonsoir. Ludovic Guinée, une application Gilet jaune est disponible. Je ne cautionne pas ça. Et j'ai vu des cagnottes par-ci, par-là. Surtout pas, ne donnez pas 1 euro. On ne sait pas qui va gérer cet argent et à quoi il va servir. Vous voulez donner? Vous voulez faire quelque chose? Mettez un gilet jaune et montrez-vous demain. Voilà. Faites quelque chose avec vos mains, avec votre esprit. C'est pas en donnant de l'argent et en allant vous asseoir que ça fonctionnera. Il faut donner de votre temps, de votre personne. Allez sur un rond-point, allez sur Paris, allez comme je le demande, bloquer les merdias,
Donner de votre temps plutôt que de lâcher un billet et de dire j'ai participé. Et puis on sait même pas qui va gérer cet argent, hein. Ça va être un cinéma, regarder ce qu'on a fait, regarder on n'a pas pris dans la caisse. Ne donnez pas d'argent, c'est plus simple. Linda, parfaitement, Linda Atala, Aix-la-Chapelle, c'est complètement faux. Tout comme la France qui a été vendue à Marrakech. Les mêmes conneries relayées par les mêmes manipulateurs. Balahim Jaban, bonsoir. Alors, je vais avancer maintenant. Marie Lefebvre Tavernier, bonsoir. Myriam Tank, bonsoir. Johan Jury, bonsoir. Gilou Cablaise, bonsoir. Eh bien, s'il y a en plus une grève, moi je suis preneur, hein. Voilà, ça c'est des actions concrètes, hein. Ensuite, qui je n'ai pas vu? Jocelyne Violin, bonsoir du 77. Julien Will, bonsoir. Slimane Aissaoui, bonsoir. Bernadette Gattard, bonsoir. Ensuite, Sébastien, je t'ai vu. Je surveillerai. Joël Touchard, bonsoir. Ensuite, Catherine Dabavalère, bonsoir. Tu m'as envoyé donc un témoignage sur la franc-maçonnerie. Je doute de pouvoir le regarder en même temps, mais je le regarderai plus tard, promis. Lopez, si je t'ai pas vu, bonsoir Lopez. Milou Micha, bonsoir. Ensuite, ah voilà, on arrive. Christine Renier, si je t'ai pas vu, bonsoir. Khadija Hamim, bonsoir. Voilà, j'ai vu tout le monde. L'info sur. Alors, Angélique Spatschesi, t'énerve pas. Le pacte de Marrakech, un fake, donc l'info sur Poitiers et le fait qu'il fasse des réserves d'or, fake aussi. Pas Poitiers, mais Poutine, d'accord, je me disais. Poutine ne fait pas de réserve d'or, Poutine se débarrasse des dollars. Linda, oui, j'ai fini là. J'ai fini, on est arrivé à la fin. Donc je répondais à Angélique. La France qui a été vendue à l'ONU parce que il y a une charte pour pour faire respecter les droits des migrants qui sont déjà là, hein, qui c'est pas un blanc-seing ou un contrat sur sur une entrée de migrants, hein, ça ne change absolument rien. J'ai donné l'explication plein de fois. C'est comme une charte de bonne conduite que vous pouvez trouver affichée dans les hôpitaux, hein, et qui en plus n'est jamais respectée. Les droits des patients, les droits des malades, etc., c'est jamais respecté. Donc c'est juste ça. Pour Poutine, il fait des réserves d'or. Moi, j'ai pas cette information. Moi, je sais que c'est pas d'aujourd'hui. Il veut se débarrasser lui et débarrasser le monde de l'hégémonie du dollar. D'accord? Donc lui, il se débarrasse de ses dollars. D'ailleurs, l'Europe a essayé longtemps d'imposer l'euro, en tout cas comme alternative au dollar, sans succès. L'Iran et d'autres pays ont essayé de vendre donc leur pétrole en une autre monnaie que le dollar. Ça ne marche pas tellement bien. Poutine, oui, la Russie commence à prendre de l'importance économiquement parlant. La Chine, elle a pris déjà de l'importance. Et donc voilà, ils essayent de contrer le dollar pour que ça soit pas comme aujourd'hui, ça ne soit plus la monnaie de référence number one, parce que je crois que c'est quelque chose comme 80%
des transactions sur la, dans la, sur la planète, dans la planète, s'effectuent en dollars. Donc voilà, c'est pas d'aujourd'hui. La Russie s'est toujours battue contre cette hégémonie. La Chine, c'est pas nouveau. Et même l'Europe, lorsqu'ils ont créé l'euro, l'idée c'était ça, c'était d'avoir un contrepoids par rapport au dollar. Donc voilà. Mélangeons pas tout. Voilà, on a lu les commentaires. Ce que je vais faire, je vais appeler Richard pour commencer. Et après, on verra. Donc j'ai vu qu'il y avait aussi une autre personne qui se proposait. On va commencer d'abord par Richard. Hop. Donc Richard, je vais t'appeler. Prépare ton kit main libre. Et on va y aller. Alors, je t'appelle, mon cher Richard. Coucou. Tu m'entends? Richard, tu m'entends? Mets ton kit, tu m'entends? Tu m'entends pas pour l'instant, mais moi je te vois, je vais te mettre à l'image. Voilà. Là, tu es à l'image. Non, non, il y a un souci. Il faut que tu Non, m'écoutes par Messenger, hein. Il faut pas non, je m'écouter par t'entends pas. Facebook. Richard, il faut que tu m'écoutes par Messenger. Ouais, c'est ce que je fais. Attends. Oh. Tu regardes tes écouteurs, augmente le son sur Messenger. J'entends rien du tout. Ben justement, C'est quoi moi je ce t'entends, bordel? moi je t'entends. Mets le son sur Allô? Messenger. Okay. Regarde tes écouteurs, augmente le son sur Messenger. Ah, ouais. Justement, moi je Tu t'entends. m'entends? Moi je t'entends. Mets le son sur Messenger. Tu m'entends? Bon, Allô, on va prendre allô? quelqu'un d'autre. Allô? Le problème, c'est que tu m'entends Ça, par c'est quoi Facebook. ce Faut pas délire? m'écouter par Facebook. Facebook a 20 Ah, secondes de décalage sur Messenger. ça y est. Ça y est. Là, tu m'entends en direct là? Voilà, ça y est, je t'entends. Tu m'entends en direct là? Mais je te vois pas. Bon, je vais mettre. Bon, bah au Tu moins, m'entends? c'est bon. Moi, je t'entends, ça marche. On va pouvoir se Oh, parler. t'es fou. Je vais mettre Ok, ma parfait. vidéo. Non, 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 je suis bien mis. Tu es bien là, t'es en direct, Attends. Richard. Si tu m'entends, moi je t'entends pas, mais réinvite-moi. Alors, je vais raccrocher. Hop. On verra Richard tout à l'heure. Je vais essayer quelqu'un d'autre. Au moins, ça se confirmera que vous m'entendiez ou pas. Alors, je vais voir. Tout à l'heure, donc, il y avait qui. Alors, tout à l'heure, qui se proposait? Je vais voir sur Messenger. Donc ici, tu m'as mis les Confema, mais bon. Alors, ici, qui veut participer dans le groupe? Hop. On entend bien Richard, vous m'entendez bien, mais lui, il m'entend pas. Richard, tu me dis de te réinviter. Et il faudrait que je revoie la personne, donc tout à l'heure. Allô? Est-ce que tu m'entends cette fois-ci? Est-ce que tu m'entends? Alors. Est-ce que tu m'entends cette fois-ci? Non, tu m'entends pas. Allô? Richard, tu m'entends pas? Tu m'entends pas, Richard. Bon, t'as réussi la dernière fois.
Cette fois-ci, tu n'y arrives pas. Richard, tu n'y arrives pas. Pour confirmer, alors que le problème ne vient pas de chez moi, je vais raccrocher. Tiens, je vais t'appeler moi. Je vais. Hop. Alors, je vais. Allô, tu m'entends, Richard? Richard, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Richard, est-ce que tu m'entends? Ah, ça y est, je t'entends. Ah bah voilà. Enfin. Bon, enfin. Bon. Ça vient de moi, Je cette vais te fois. mettre à l'image. Ouais. Et après, donc, je rajouterai comme d'habitude la mienne. Ouais. Et on va pouvoir enfin converser. Voilà, Ok. tu es à l'image. Voilà, Richard, bah écoute, je te donne la parole. Comment te... Fais attention à ton micro. Si tu te balades, Ouais. ton micro va faire beaucoup de bruit. C'est. Ouais. Vas-y, réagis donc sur Macron, sur ce que tu veux. Bah moi, ce que je vais réagir, c'est surtout sur ce que j'ai vu là aujourd'hui avec Macron et puis les maires. Et bon, ça a été un peu plus virulent que sur certains maires du sud là, par rapport aux dans le nord. Je pense que les maires du sud ils seront un peu plus virulents avec Monsieur Macron. Mais après, c'est pareil, hein. Par un moment, il y a un maire qui l'a un peu interpellé, qui en fin de compte, bah, il a fait comme d'habitude, il a rigolé, un air de dire que, bah, il se fout un peu des Français. C'est un manque de respect envers la revendication du maire qu'il faisait. En plus, il parlait des gilets jaunes et du peuple français. Et voilà, ce mec, il me fait gerber. De toute façon, Macron, il me fait gerber. Franchement, je dois pas être le seul, à mon avis. Ah non, t'es pas le seul, t'es pas le seul. Voilà. Mais toi, tu vois d'un bon œil donc les interventions de certains maires. Oui, il y a certains maires qui ont quand même, bon, je parle pas de tous, mais certains qui ont vraiment revendiqué les vrais, un peu ce que le peuple veut, hein. Et les autres, bah, comme la semaine dernière, bah, il y a quelques jours là, bah, ils revendiquent plutôt leurs intérêts de maire que les intérêts du peuple et de leurs citoyens, bah, des gens qui habitent dans leur commune, hein, tout simplement. Parfaitement, parfaitement. Et tu crois que eux, si jamais ils avaient un discours révolutionnaire, est-ce que tu crois qu'ils seraient élus? Oh bah non, Ben bah non. voilà. Bon. Déjà à la base, c'est filtré. Et Hein, voilà. moi, je connais pas d'élus. Encore une fois, comme je le dis toujours, depuis le temps qu'on a fait des élections en France, je ne connais pas spécifiquement un élu qui s'est sacrifié pour le peuple, enfin qui n'a pas cherché son intérêt avant le peuple. Encore une Et fois, puis. ceux que je connais sont morts. Enfin, c'est Coluche par exemple. Voilà. Voilà. Oui, Coluche, le Voilà. bon exemple, hein, Coluche. Hein. Mais Tout le monde alors. dit, bah, tout le monde dit, nos dirigeants et les médias, et en sachant que les médias sont quand même corrompus et qu'ils appartiennent à la plupart aux oligarques, hein, ceux qui sont les plus fortunés au monde, hein, ils vont pas dire que Coluche, c'était un meurtre. Hein, c'est pas dans leur intérêt. Hein. Mais quand vous regardez un peu les reportages qu'ils ont fait, les témoignages, ce qui a été fait par les amis de Coluche et tout ça, bah vous vous rendez compte vite fait que, en fin de compte, bah Coluche a été tué. Hein. C'était un assassinat, Coluche, c'était pas un accident. Hein. Parfaitement. On pourra me dire que je suis peut-être un complotiste ou quoi que ce soit, hein, parce que de toute façon, quand on pense pas comme les autres, on est complotiste. Hein. Mais après, il faut quand même se Et poser même les bonnes des fois questions. tu pourrais des fois tu pourrais devenir terroriste si tu penses pas comme eux. Oui, voilà. Et c'est un grand mot, comme je dis, le terroriste, c'est un grand mot. Hein. Je pense que le terrorisme aide bien les États pour faire les guerres dans des pays qu'on n'a rien à foutre là-bas. Voilà. Moi, c'est ce que je pense. Hein. Maintenant, après, je Oui, pense qu'on est dans un puis pays. aussi, des fois, on entend ça à la télé, alors on fait pas attention, on se dit, oh, c'est vraiment comme ils présentent, ça nous intéresse pas. Mais quand on entend toutes ces années, particulièrement sous Hollande, que y a des gens, on leur a cassé leur baraque,
On a fait des perquises, on les a arrêtés par-ci, on les a interrogés par-là, parce que ils se sont radicalisés sur Internet. Ça veut dire que toi et moi, lorsqu'on va regarder des vidéos, que ce soit sur la franc-maçonnerie, les complots, etc., on se radicalise. Tu vois? Voilà, On fait voilà. pas. Lorsqu'on regarde ça, passer à la télé, on se pose pas de questions, on se dit. Après, il faut se dire il faut que les Je gens se disent précise, aussi hein, je quand. précise que la Ouais, différence, c'est que ces gens-là n'ont pas commis aucun acte. Hein. C'est-à-dire voilà. qu'on leur tombe dessus, on dit non, c'est pas gentil, vous êtes radicalisés sur Internet. Pourquoi? Parce qu'ils sont partis chercher d'autres théories que la version officielle. Voilà. Voilà. Et il faut se dire que sur la franc-maçonnerie, il y a quand même eu des témoignages d'anciens francs-maçons hein, qui étaient rentrés dans cette confrérie, hein, pas loin de où j'habite, hein, en plus dans le nord, dans le sud. Hein, à Narbonne, par exemple, il y a un ancien franc-maçon qui faisait partie de la franc-maçonnerie de Narbonne. Il y a eu un témoignage sur ce monsieur-là. Ça se trouve hein, sur YouTube. Hein, vous allez sur YouTube, vous tapez franc-maçonnerie, ancien franc-maçon, je crois. Et en fin de compte, il y a un témoignage et qui dit qu'en fin de compte, la franc-maçonnerie, c'est pas ce qu'on pense. C'est plus des choses un peu plus occultes qu'autre chose. Voilà. Parfaitement. La franc-maçonnerie, c'est pas un mouvement philosophique Non. gentil. Hein. Non. D'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais on parlait de Coluche. Tu sais, il nous apprend beaucoup de choses, le Suisse du site regardez.org. Je vous invite à aller voir son site. Et moi, je passe tous les soirs, je passe sa vidéo sur la franc-maçonnerie. Et donc, lui, il a tellement eu de comment dire de tentatives d'accident sur sa personne, qu'il a installé donc des caméras dans sa voiture et il nous a Oui. montré comment ils se mettent même à quatre bagnoles, hein, et pas des bagnoles de prolo, hein, des bagnoles de luxe, hein, quatre bagnoles pour l'influencer, et même en jetant un caillou sur son pare-brise, pour qu'il aille se manger tout seul la civière de sécurité, là, pardon, pas les civières, la barrière de sécurité. Et comment tu veux, dans ce cas-là, faire une enquête, déterminer si c'était un meurtre ou un accident, je vais dire tout seul, les coupables, c'est impossible. Donc Coluche, pour moi, ça a été de la même manière. Diana aussi, il y a le Et témoignage. Donc en plus, Diana, il faut se dire qu'elle s'est tapée quand même le 13e poteau. Hein. Elle est dans la franc-maçonnerie, les chiffres sont très importants. parfaitement. Et Diana, attention, il y a une autre théorie que moi aussi je la trouve, enfin j'ai tendance à y croire. Je sais pas si tu as lu le témoignage donc d'un agent du MI6, les services secrets britanniques, sur son lit de mort. Il a balancé comme quoi c'est lui qui a tué Diana et c'était sur ordre du prince Philippe, c'est-à-dire le mari de la reine Elisabeth, et que l'histoire comme quoi elle s'est cartonnée en voiture est fausse, que ça a été monté de toutes pièces avec les rédacteurs-chefs de tous les journaux anglais, et c'est pour ça qu'on a eu un feuilleton. Ça veut dire que chaque magazine sortait sa petite information qui était différente de l'autre, sortait sa petite photo. Pour moi, c'est très crédible. Hein. Puis même, il y a aussi eu un détective privé qui a fait sa propre recherche sur les traces de freinage qu'il avait eu et tout ça et tout ça. Et il s'est aperçu qu'il y avait un problème entre ce qui avait comme trace de freinage et l'accident, comment il s'est passé. Je sais plus ce détective comment il s'appelle. J'avais vu ça sur YouTube aussi. Hein. Et il faut dire qu'en fin de compte, je pense que la princesse Diana voulait dire quelque chose sur la principauté de Grande-Bretagne. Et c'est pour ça qu'elle a essayé d'éloigner ses enfants le plus possible de ça. Et elle n'a pas eu le temps, en fin de compte, hein, malheureusement. Parce que je pense que la principauté britannique a une grande part a des choses cachées dans ça, de toute façon. Hein. Il faut se dire que. En plus, quand vous regardez le drapeau anglais, il y a comment ça s'appelle? La devise de l'Angleterre, c'est la même devise que la franc-maçonnerie.
Il le reprend justement, celui qui fait les vidéos, c'est vraiment magnifique ce qu'il fait. Alors juste Bernadette Gattard, tu dis en gêne on tue, en gêne il nous tue. Et Christine Renier, tu dis Diana voulait faire des révélations. Exactement, c'est ce que nous disons. Est-ce que la personne qui me disait tout à l'heure, rajoute-moi, comment s'appelle? Tu te rappelles? Attends, je vais essayer de regarder Est-ce que sur. tu peux te remanifester parce que je t'ai pas trouvé sur Messenger Ouais, parce que. et les commentaires ont beaucoup avancé. Est-ce que tu peux te manifester, la personne, je crois Sébastien, qui voulait intervenir avec nous. Est-ce que tu peux te remanifester sur Messenger ou là dans les commentaires? Brahim Djaban, tu dis l'Angleterre, 1000 ans de règne. Oui, Jonathan Campo, ils sont francs-maçons. Le problème fondamental, effectivement, c'est la franc-maçonnerie. La personne donc qui voulait intervenir, ou en tout cas toute personne qui veut venir nous rejoindre, il faut, à condition, il faut quand même montrer votre visage. Il faut avoir un sang acceptable. Hein, voilà. Et venez, manifestez-vous, venez intervenir. Tu es convaincu toi aussi, Bernadette. Il est parti. Bon, il est parti. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir, n'hésitez pas. Moi, je vais aller vous donner quelques infos. Richard, si tu veux dire un mot, tu n'hésites pas. C'est bien, t'as coupé ton micro. Alors, tiens, je vais vous donner cette info. Le député, alors je ne suis pas en même temps hein, les chaînes mainstream, alors peut-être qu'ils l'ont donné entre-temps, mais tout à l'heure, ça vient de tomber. Le député, les Républicains, Olivier Marleix, donc il a saisi le parquet pour le dossier de la vente d'Alstom contre Macron. Et donc il dit, s'il était vérifié, un tel système pourrait être interprété comme un pacte de corruption. Voilà. Olivier Marleix a saisi le parquet contre Macron dans le dossier de la vente d'Alstom. Richard, est-ce que tu es toujours là? Je ne te vois plus. Ah, tu es là. Ok. Donc ça, c'était pour cette info. Ensuite. Tu dois être occupé, Gérard, Richard, c'est normal. Je vais continuer donc à vous donner des infos. Alors, concernant Benalla, qui a été donc mis en examen, j'ai envie de dire, est-ce que ça arrangerait pas Macron, Benalla et tout le monde que qu'il soit mis au trou, Benalla, parce que ça l'évite, ça lui évite d'être interrogé par le Sénat, hein, vu que là ils allaient, enfin voilà, enfin ils allaient être découverts. Hein. Il a botté en touche devant la commission d'enquête parlementaire. Là, le Sénat, effectivement, il s'est passé des choses entre-temps. Il allait se faire coincer sur le Tchad. Qu'est-ce que tu faisais au Tchad? Et voilà, il y a eu cette incarcération, on va dire, comment dire, cette salvatrice, voilà, une incarcération salvatrice qui lui évite de s'expliquer qu'est-ce qu'il est parti foutre au Tchad, par exemple. Voilà, mes chers amis, ça tombe bien. Il y a toujours ce hasard, hein, il y a toujours ce hasard. On l'incarcère pas parce qu'il a tapé sur un mec, on l'incarcère pas parce qu'il a piqué des images de vidéosurveillance, on le laisse tout ce temps-là. On l'incarcère pas parce que il n'a pas laissé perquisitionner donc son domicile. Il a fallu que les flics aillent le lendemain matin, ce qui a permis à d'autres d'aller planquer donc ce qu'il y avait dans son coffre. Il avait un coffre-fort avec des armes dedans. Probablement, ça, je mets ça au conditionnel, des armes qui ont été utilisées au Bataclan. Voilà, ils ont disparu, tout a disparu.
Donc il y a beaucoup d'irrégularités, ils ne le mettent pas en préventive, d'accord? Et là, comme par hasard, au moment où il allait passer, donc se faire auditionner au Sénat, et que le Sénat, même si encore une fois ils sont tous corrompus, ils n'auraient pas pu éviter la question sur le Tchad. Ça, c'est, il faut comprendre ça, même s'ils sont tous pourris. Ah bah là, tu diffuses ça sur LCP et tu lui demandes pas qu'est-ce qu'il est parti foutre au Tchad, ça serait pas passé. Alors, regardez, le petit miracle, pas de Jésus, hein, mais les petits miracles du diable, c'est aujourd'hui qu'ils ont décidé de le mettre au trou. Une info, donc il y avait une Canadienne qui avait disparu au Burkina Faso et que beaucoup ont dit qu'elle s'est fait tuer. Non, ce soir, donc il y a l'information qu'elle est vivante. Elle est vivante au Burkina Faso. N'hésite pas à intervenir, Richard, hein, si tu quelque chose à dire. Oui, Moi, je non, je regarde t'écoute. Je si t'écoute, tu je t'écoute. vois quelqu'un qui veut nous rejoindre. Je suis en train de regarder en même temps. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui Bah, veut nous rejoindre? y avait un certain Sébastien tout à l'heure. Ouais, J'avais oui. dit, attends, il va nous prendre, mais. Oui, bon, bah, il était pressé, tant pis, hein. Oui. Alors, je vais lire un petit peu. JF Lulu, donc tu dis c'est vrai, l'histoire de drogue avec Benalla. Jonathan Campo, c'est normal, il faut que ce soit crédible au minima. Brahim Djaban, le coffre lui-même a disparu. Voilà. J'avais un doute si c'était le contenu du coffre. Et effectivement, tu confirmes, c'est qu'ils ont pris tout. Ils ont pris. Voilà, un coffre, ça coûte très. Enfin, ça pèse très très lourd un coffre. Hein. Alors c'est une histoire à dormir debout, hein, si vous voulez. Vite fait. Hein. La police donc avait Benalla pour l'interroger. Il lui demande où est sa femme. Entre-temps, on a su que la femme à Benalla, qui avait accouché, était employée aussi de la République En Marche et qu'elle était en congé maternité payée par la République En Marche et que comment il s'appelle? Benalla est parti donc déposer son arrêt maladie lui-même quand il y a eu le scandale. Et donc quand ils lui ont dit où est ta femme, on veut l'entendre, il leur a dit je sais pas. Ça c'est fort. Hein. Il leur a dit je sais pas. Et y en a même qui ont dit elle est partie, elle est partie du pays. Mais non, elle était dans le 16e, elle était localisée, ils sont pas partis l'interpeller. Ils savaient qu'elle était dans le 16e, d'accord? Et donc, concernant la perquisition, ils ont voulu perquisitionner chez lui et il leur a dit, j'ai pas les clés, soi-disant qu'ils étaient chez sa femme. Enfin, c'était une histoire à dormir debout, qu'il n'avait pas les clés et en plus il a une porte blindée. Et du coup, regardez donc la main invisible de Macron et des services secrets, du pouvoir occulte. La police veut donc faire une descente, fracturer la porte. Ils n'ont pas de bélier, vous savez, je pense qu'on l'appelle bélier. Ils n'ont pas de bélier pour casser la porte. Ils appellent tous les autres commissariats, je sais pas. Et donc ils perdent toute la nuit et c'est que le lendemain matin qu'ils arrivent à récupérer un bélier. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont cassé la porte, il n'y avait plus le coffre-fort. Voilà l'histoire, hein. C'est incroyable, mais bon, c'est la vérité, hein. Allez chercher, allez lire des articles, vous verrez. Et pour ça, non, ils l'ont pas mis en préventif pour ça. Ils ont attendu tout ce temps qu'il aille un peu se balader un peu partout dans la planète, en plus avec des passeports diplomatiques, pour l'arrêter aujourd'hui. Comme par hasard, juste au moment où il allait se faire interroger, donc, hein. Tiens, Castaner, il a dit au sujet des gilets jaunes, la pièce s'éternise et pourtant il n'y a plus grand monde sur scène ni dans la salle. Eh bah ben, tu vas voir, tu vas voir. T'aimes bien les pièces, toi,
joueur de poker. J'espère, mes chers amis, que vous êtes autant dégoûté que moi et que vous le montrerez ce samedi en mettant un gilet jaune et en descendant vous montrer au maximum. N'allez pas dans des coins perdus où il n'y a pas un journaliste, il n'y a pas une caméra. Allez dans Paris, la région parisienne, allez bloquer les médias, montrez-vous dans les grandes villes. C'est un message fort qu'il faut envoyer à cette bande de pourris. Ah oui, ça c'est information choquante hein, qui est tombée tout à l'heure. À mon avis, les médias ont dû en parler. Vous me direz, hein, je sais pas. Donc, Excuse-moi, vas-y. Mehdi, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui marque, c'est une vraie révolution, et on est tous déjà tous morts, et vous le savez. Alors arrêtez de parler pour rien. C'est Nadji, bref. Tu dis, là je lis un commentaire après, il dit agir réellement, c'est vraiment changer notre monde. Mais écoute, c'est nous essayons de faire la même chose. On Peut-être qu'il essaye. parle pas pour rien, peut-être qu'il parle pas pour nous, peut-être qu'il Je sais parle pas pas. pour nous. C'est pas grave. Tu dis, ah Teddy, tu dis manifestation devant BFM. Si tu as un direct, envoie-le-moi, Teddy. Si tu as un direct, envoie-le-moi. Ça, ce serait magnifique, ça. Mais il l'avait fait il y a l'acte, je sais plus combien là, Il y a eu. avec Jérôme Rodriguez, un gilet jaune pareil, que je suis un petit peu. Et ils avaient été sur France TV, ils avaient essayé d'aller sur BFM, tout ça, et ils se sont fait gazer, hein, comme d'hab. Et ça a été fait, hein, déjà. Ils ont essayé. Alors, je sais que aussi il y a le très bon site qui fait des directs à chaque fois lors des actes, c'est la tribune des pirates, qui sont partis eux aussi donc faire le tour des médias. C'est de bonnes initiatives. Ce qui serait mieux, c'est d'essayer de fixer donc de se fixer. Parce que à chaque fois, j'ai vu, il y a beaucoup de vidéos qui circulent. Il y a toujours un représentant qui vient de BFM ou d'ailleurs, qui parle, soi-disant qu'il les écoute. Ils ont toujours une excuse, c'est pas de leur faute, etc. Alors malheureusement, les personnes qui filment, les gilets jaunes qui filment, n'ont pas assez, on va dire, de bagages et sont pas assez bien armés pour répondre à un manipulateur professionnel. Hein. Moi, j'ai vu une vidéo très très longue où il y a eu une femme qui est venue leur parler. Et effectivement, elle est seule, donc elle prend la parole comme elle veut. Et les gilets jaunes étaient beaucoup, donc chacun effectivement voulait prendre la parole pour lui faire fermer son clapet. Mais du coup. Elle disait, enfin, les faisait passer comme si c'est eux, ils étaient hystériques et elle était calme, parce que tout le monde prenait la parole en même temps, tout le monde voulait s'exprimer en même temps, personne n'arrivait à finir ses phrases, soit ses collègues le coupaient, soit c'était elle. Elle n'arrêtait pas de couper tout le monde, mais bizarrement, lorsqu'elle s'exprimait, tout le monde la respectait. Ils méritent pas le respect, ces gens-là. Et donc voilà, malheureusement, jusqu'à présent, il y a quelqu'un qui sort. Alors une fois c'était oui donnez-nous deux numéros de téléphone promis on va appeler. Alors ils ont dit on va donner le numéro de Chouard, on va donner le numéro. Et l'autre fois où il y avait comme ça pareil, c'était ça, une femme qui est descendue, qui a blablaté je crois pendant 50 minutes, hein, il y a une vidéo, peut-être je vous la montrerai un jour, mais elle est saoulante la vidéo. Elle nie tout en bloc et puis du coup eux ils s'énervent, c'est normal. Tu as quelqu'un en face de toi qui te ment les yeux dans les yeux. Et du coup les gilets jaunes ils s'énervaient. Alors à chaque fois il y en avait un, ils disaient non non. Après, il y a un Donc petit commentaire qui me plaît bien, hein, parce qu'en vas-y. fin de compte, il y a une dame qui, Linda Atala, qui dit, parler de Benalla, n'avance rien. On perd notre temps. Je me demande même si c'est pas une ruse du gouvernement d'ailleurs. Et elle a peut-être pas tort, hein. Est-ce que c'est pas une ruse du gouvernement pour nous
nous faire perdre notre temps et chercher à droite à gauche. Je n'arrête pas de le dire, je n'arrête pas de le dire. Le cirque Benalla, même Benalla, il est acteur, il joue le jeu. Le cirque Benalla, ça permet justement de donner un feuilleton pour les médias, pour qu'ils parlent pas d'autre chose. Et là, remarquez, à chaque fois qu'on approche d'un acte, il y a toujours un événement comme ça, entre guillemets, majeur, mais majeur pour les médias, hein, qui se produit, qui va leur permettre d'occuper le terrain des antennes, avec cet événement majeur, et de laisser un tout petit peu, donc pour les gilets jaunes, l'attentat, le boxeur, l'explosion dans la boulangerie. À chaque fois, il y a comme ça un élément majeur, hein, remarquez. Là, soit ils vont rester sur Benalla, ils vont nous sortir un événement choc, je sais pas, peut-être il se suicidera, peut-être en cellule, peut-être qu'il balancera, il dira une phrase choc qui sortira de la prison, un peu pour alimenter les médias, peut-être il dira Macron, c'est mon amant. Mais ils sont capables de tout, ces gens-là. Hein. Ils sont vraiment capables de tout. Hein. Ils manquent pas d'imagination et d'imagination macabre. Hein. C'est pas dans le Et bon oui. sens. De toute façon, comme je te disais dans un live que j'avais fait il y a 2 jours avec toi, là, que de toute façon, on est gouverné par des francs-maçons, et la franc-maçonnerie, c'est pas très joli hein, quand même. Hein. Quand tu fais un peu de recherche, c'est plutôt de la manipulation et tout ça. Quand il faut dire qu'ils ont voté une loi pour en fin de compte, autoriser des enfants de 14 ans, parce que j'appelle ça des enfants, à pouvoir avoir des rapports sexuels, c'est un peu bizarre quand même. Hein. Je suis pas sûr qu'à 14 ans tu sois capable de voir si t'es capable ou pas d'avoir des relations sexuelles. Et ça me choque un peu pour une loi qui vote ça. Voilà. Je vais lire en même temps donc Bernadette Gattard, tu dis aucun respect pour cette bande de ploucs. Linda, tu réponds donc à Teddy, tu dis c'est ça, mais pour rentrer, il faut des milliers de personnes qui manifestent devant BFM, CNews, LCI, etc. Linda, merci. C'est ce à quoi j'appelle depuis le début. Merci de penser et de demander la même chose que moi. Bernadette Gattard, tu dis si, je crois, effectivement. Christine Renier, tu dis à nous détourner aussi. Oui, Benalla sert à nous détourner. Marie Blinblin, elle dit oui, Richard, c'est Benalla, c'est le comédien. Parfaitement. C'est de l'enfumage, Christine Renier, tu dis. Brahim Jaban, tu dis fake world. Parfaitement. C'est la civilisation du mensonge, hein. Il n'y a pas un meilleur mot. Hein. Je crois que depuis, on a quoi, 2019 ans de civilisation occidentale, bah 2019 ans de mensonge. L'armée européenne, tout ça, franchement, occupez-vous de l'essentiel. Ne cherchez pas des complots supplémentaires. Il est devant vos yeux le complot. Il faut aller dégommer la franc-maçonnerie, qu'elle arrête de dominer tous les pouvoirs. Ne cherchez pas à faire compliquer. C'est sous vos yeux. Alors, oui, JF Lulu, c'est des pédophiles. Voilà, ça, voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Hein. C'est sous vos yeux. Non, 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 Teddy, je ne montrerai pas de lien. Beaucoup de monde m'envoie des liens. Il faut que je regarde d'abord. Et si c'est un lien sur ce que tu dis, c'est que j'en ai vu beaucoup, sur une police européenne et que c'est un nouveau complot qui s'ajoute au faux complot de la France vendue à l'ONU, au faux complot de l'Alsace et la Lorraine donnée à l'Allemagne, et tous ces complots-là et toutes ces histoires-là viennent justement des mêmes, des francs-maçons qui veulent détourner l'attention. Eh bien écoute, je regarderai, mais je te promets pas de diffuser. Donc si c'est un site sérieux, tiens.
J'ai allé regarder. Mais si c'est pas un site sérieux, c'est pas la peine. Donc là, tu m'as envoyé des photos, des captures d'écran de BFM TV. Emmanuel Macron veut que l'armée française se constitue comme la première armée européenne dans les années à venir. Bon, bah je vais montrer, effectivement. Ça s'est passé tout à l'heure dans BFM VC. Je vais montrer ça. Allez. T'avais raison d'insister. Hop. Alors, est-ce que là... N'hésitez pas, mes chers amis, à vous manifester si vous voulez venir nous rejoindre. Voilà. M'enlever moi. Et donc, voilà. C'est ici qu'il faut lire. Emmanuel Macron veut que l'armée française se constitue comme la première armée européenne dans les années à venir. Bon, moi j'ai pas la lecture que toi tu as fait, hein, qui veulent constituer une armée européenne. C'est une phrase comme une autre, c'est qu'il aimerait que l'armée française soit la meilleure d'Europe. Enfin, c'est déjà le cas, hein. En Europe, le pays le mieux armé, si on compte pas bien entendu l'Angleterre, c'est la France. Hein? C'est pour ça que c'est la France qui est la première en ligne des belligérances qui viennent de l'Europe. Ça ne veut pas dire que les autres pays ne fournissent pas un effort de guerre, un effort à la guerre, mais différemment. L'Allemagne, comme elle n'a pas vraiment beaucoup, enfin, elle n'a pas de puissance. D'armée, aide par la logistique, aide par la fourniture de matériel, aide avec de l'argent, mais la puissance militaire, Est-ce que je peux intervenir là-dessus? vas-y. Parce que moi j'ai vu aussi, c'est Donald Trump il y a quelques temps en arrière, qui répondait à Macron, parce que Macron avait fait l'illusion sur l'armée européenne, et Donald Trump il avait dit, il avait répondu par Twitter, je crois, si je ne me trompe pas. Que, en fin de compte, s'il faisait ça, c'est que, en fin de compte, il déclarait un peu la guerre aux Américains. Mais je suis pas sûr de ça, mais je sais que Donald Trump avait répondu sur ce sujet-là à Emmanuel Macron pour cette armée européenne que Macron et Angela Merkel, tout ça, veulent constituer en Europe. Ils veulent faire une armée européenne. Tu as parfaitement raison, tu as parfaitement raison. Ça, c'est encore une fois, il faut pas y voir plus que ça en est. Effectivement, tu as parfaitement raison. Macron n'arrête pas d'agiter l'idée de dire parce que la France, nous payons beaucoup d'argent donc à l'OTAN et celui qui encaisse ça, c'est les États-Unis parce que c'est eux les leaders de l'OTAN et c'est eux qui fournissent la majeure partie. Donc de l'armement de l'OTAN. Et tout ceci, il n'y a pas que la France, beaucoup, plein de pays dans le monde, dans l'idée où on serait attaqué, on serait donc protégé par l'OTAN et donc par les Américains. Et du coup, on paye, c'est comme si tu payais une assurance, on paye pour un jour se faire protéger. Eh bien, Macron, lui, il agite tout le temps cette idée, c'est qu'il dit, voilà ce que tu vois à l'écran. On va se constituer notre propre défense européenne pour s'affranchir de l'OTAN. Chose effectivement qui ravit Poutine, parce que Poutine milite, et la Russie depuis toujours, milite pour que les Américains sortent du territoire européen, qui sont là soi-disant pour mettre leur bouclier antimissile, parce que
La Russie méchante va d'un jour à l'autre envahir l'Europe. Ça a toujours été comme ça, le conflit entre les Russes et les Américains. C'est uniquement sur ce point-là fondamental. C'est que les Russes disent, vous êtes trop proche de nos frontières, qu'est-ce que vous faites là? Et les Américains disent, nous sommes là parce que les Européens nous le demandent, ils ont peur de vous. On est là parce qu'on déploie à leur demande des Européens le bouclier antimissile. Et blablabla et blablabla, et on fait des entraînements conjoints parce que c'est l'OTAN et c'est comme ça et c'est nos accords et on a le droit de faire ce qu'on veut. Voilà, ça a toujours été comme ça. Et donc là, Macron, mais juste parler, hein, il dit, oh, bah, on pourrait réfléchir à faire notre propre armée. Poutine, lui, il voit ça d'un bon oeil, et Trump, comme tu viens de dire, il dit, bon, bah, si c'est comme ça, donc si c'est comme ça, vous. On vous protégera plus. C'est une histoire de sous, hein. C'est une histoire de sous. Donc là, le deuxième écran, que tu m'as envoyé, donc t'es dit, on lit en bas coopération européenne des armées. Hein. Là, il s'agit, comme son nom l'indique, que chaque pays garde son armée. Il s'agit de construire une Europe qui protège ses concitoyens. Hein, on n'est pas encore dans cette armée qui s'appelle l'armée d'Europe, hein, entre guillemets. Hein. On n'est pas encore dans ce fantasme. Et enfin, même moi, j'y vois pas quelque chose d'extraordinaire. Hein. Je veux dire, là, on partage la monnaie, on partage absolument tout. Il n'y a pas une chose qu'on ne partage pas avec l'Europe. Enfin, franchement, pour moi, il faut pas en voir plus que plus que c'est. Hein. Partager les frais d'une seule armée, pourquoi pas, je vais dire. Après, Alors. ça serait bien que Teddy vienne en live parce que bon, il met des choses qui sont pas trop mal. Et là, il a refait un commentaire. Non, pas du tout. Tu as un article qui parle de la constitution d'une armée pour contrer la Russie. Je parle bien d'une armée européenne, pas d'une armée française en Europe. Crois-moi, c'est lire Mehdi. Je me suis renseigné. Alors, ça serait bien qu'il vienne en live Ah avec nous parce que. voilà, ça sera plus simple. Teddy, viens en live et l'armée européenne pour aller taper sur la Russie, ça, je te dis, c'est pas du tout vrai, hein, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt l'inverse. Effectivement, alors si on part dans l'idée que aujourd'hui l'OTAN il est là pour nous protéger, soi-disant, de la Russie. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Macron dit, nous pouvons faire notre propre armée, mais voilà, toujours dans cette idée de se protéger de la Russie, mais pas pour aller déclarer la guerre. Bon, alors on est en train de tisser, encore une fois, pour moi, c'est un non-événement. Il ne faut pas voir de plus que ça en est. Ça, c'est pas fait. En plus, Macron s'est couché, et puis là, à chaque fois, il revient parce qu'il n'a pas autre chose. Encore une fois, une autre actualité que ça. Il s'est couché lorsque Trump s'était énervé. Il a dit non, non, je rigolais, c'est pas vrai. C'était pour le centenaire donc de l'armistice. C'était le 11 novembre. Je me rappelle très bien de cette date parce que moi je me suis dit pourquoi démarrer les Gilets jaunes le 17, pourquoi pas le 11? Je veux dire, on avait 100 chefs d'État sur Paris, sur les Champs-Élysées. Il n'y avait pas un seul gilet jaune. J'ai jamais compris pourquoi ceux qui ont eu la fameuse idée des gilets jaunes, les Drouet et compagnie, pourquoi ils ont eu cette idée-là fin octobre, hein. Pourquoi ils ont décidé que ce serait le 17 et pas le 11? J'ai jamais compris ça. Enfin, moi, j'ai ma petite idée pourquoi, hein. C'est que là, ça s'est passé sans aucun incident, hein, le 11 novembre. Mais voilà, c'est comme ça, hein. Après, il y a aussi Brahim Jaban, si je le prononce bien, excusez-moi si je me prononce mal. Alors, une marque qui me dégoûte, c'est l'influence ricaine en France, McDo, Coca, Ciné, etc. Il faut se dire que c'est pas une influence ricaine, hein, c'est une influence franc-maçonnique. Parce qu'en fin de compte, hein, tout ce qui est Coca-Cola, tout ça, c'est les 100 plus riches de la Terre, hein, qui cassent. Où ces marques appartiennent à Rothschild, Rockefeller, Soros, etc. Alors c'est, je pense pas que ça soit ricain. Bon après oui, la marque Coca-Cola, elle est américaine, mais je suis pas sûr que ça appartienne aux Américains.
Moi personnellement, je pense pas. Je pense que ça appartient plutôt à tout ce qui est Rothschild et tout ça, hein. Les Rothschild qui sont pas américains. Alors, Hein. mais il y a tout, hein, y a tout, parce que la culture qui nous envahit, c'est une culture américaine, hein, Oui. et ça fait beaucoup de dégâts. Isia Obscure, donc je vais te lire, hein, tu dis, je vous conseille tous de regarder la vidéo d'Assolino sur Aix-la-Chapelle, il décortique et explique chaque article, et vous verrez que ce traité n'est pas à prendre à la légère. Bien sûr, on ne parle pas de vendre l'Alsace-Lorraine, ça c'est pour qu'on rigole et on ne cherche pas plus loin. Alors moi je maintiens que, encore une fois, je n'ai pas dit que tout était faux, je maintiens que comme pour le pacte de l'ONU, on part d'un événement vrai, effectivement, il y avait un pacte à signer, c'était à Marrakech que ça se signait, Macron l'a signé. Tout ça est vrai, le pacte existe et il a été signé, etc. Mais sauf que ce qui a été agité tout autour, ça c'est absolument faux. De la même manière que là, Aix-la-Chapelle, etc., ce qui s'agite tout autour est faux. Il n'y a absolument. Je l'avais montré la dernière fois. Alors, le pacte de l'ONU s'est écrit en anglais. Moi je l'ai lu, hein, 40 pages, c'était fastidieux. Là, pour le coup, l'accord, donc l'accord avec l'Allemagne, il s'est écrit en français. Je vous l'avais montré la dernière fois. J'ai pris un site comme ça au hasard. Vous faites une recherche sur Google. C'était détaillé. Article 1, article 2. Pour ceux qui ont vu cette vidéo, je crois que ça va jusqu'à l'article 28. Et même la personne qui a fait donc qui a fait l'article, le site, a surligné en jaune les passages intéressants. Et c'est des passages qui sont effectivement dérangeants par rapport à l'aspect, on va dire, mondialisation, mais pas par rapport à autre chose. Et quand bien même, qu'est-ce que ça change? L'Europe, de toute façon, on est dedans, et de toute façon, là, on est mondialisé malgré nous. Donc agiter comme ça à chaque fois des drapeaux rouges, des signaux d'alarme, et puis en plus, ces gens-là, on les connaît, hein. Que ce soit des youtubeurs, des personnes soi-disant chercheurs de vérité qui cherchent juste à gagner du clic, à faire le buzz, ou alors des politiques qui cherchent juste à, encore une fois, à gagner des voix, à gagner de l'exposition médiatique, comme les Philippot, comme les Le Pen. Comme là, pour le coup, Asselineau, lui, il aime bien aussi faire ses sorties comme ça, à nous alerter. Il avait fait la même chose, hein. Pour ceux qui ont compris aujourd'hui que le pacte de l'ONU, c'était pas grand-chose, et qui, effectivement, beaucoup nous ont promis une invasion barbare dès que le pacte sera signé. Pour ceux qui aujourd'hui ont la preuve qu'il s'est rien passé, eh bien, allez chercher votre prophète, votre messie. Asselineau, il s'est exprimé pareil. Il a dit, oh là là, c'est grave, j'implore Macron qu'il ne signe pas. Et puis il a fait des appels à la révolution et il a dit, ce pacte-là, faut pas le signer. Voilà, là il refait le même coup, hein. Donc en plus, ça vous donne une idée de la crédibilité que ce personnage il devrait avoir à force de répéter les mêmes conneries. Je rappelle que c'est si je me rappelle de son nom, Mahieddine, qui a sorti la meilleure dénomination, à mon avis, pour Asselineau, c'est un cheval de Troie. Hein, il est en train, depuis un moment, de gagner vos esprits, parce qu'effectivement, vos esprits comment dire, ne percutent que sur les complots. Ou alors ce que montre BFM, le sensationnel, les événements majeurs comme ça, avec du sang, de la musique, etc. Ou alors quelqu'un qui vous parle de nouveaux complots. Mais les complots existent, et puis il n'y a pas besoin d'en chercher tous les jours de nouveaux. Occupez-vous du complot franc-maçon, il est là, il est sous vos yeux, il est là. Il faut qu'on s'en occupe aujourd'hui, qu'on libère le pays. Ça sert à rien d'aller, encore une fois, se disperser dans tous les sens. C'est ce qu'ils veulent, hein.
Excuse-moi, je sais pas si tu as vu l'article là sur. Je sais plus, il faudrait que je te le partage. Mais j'ai vu un article qui dit qu'en fin de compte, il y a certains pays, pas en France, hein, mais il y aurait une chasse contre le christianisme. En fin de compte, il y a des gens qui seraient chrétiens et qui seraient persécutés. Après, c'est juste un article que j'ai vu. Je te l'enverrai en privé. Parce que là, je suis sur mon portable, alors je peux pas Mais te moi, je le l'envoyer, vois, mais. la chasse contre le christianisme, je la confirme. D'ailleurs, moi, je la dénonce. Mais pas par ceux qui sont présentés comme étant les agresseurs des chrétiens. Pas comme les médias veulent le faire croire que c'est, par exemple, les musulmans. Pas du tout. Non, mais les médias, c'est ce qu'ils veulent Ah oui. présenter. Non, 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 c'est Mais pas comme ça que ça se les passe. chrétiens, l'Église, la religion catholique, les chrétiens ont été attaqués depuis des siècles par les mêmes, par les francs-maçons. D'abord, c'était les Templiers, ensuite, donc, ils sont devenus la franc-maçonnerie. Ça a toujours été une guerre, donc, entre l'Église et la franc-maçonnerie. Il y a plusieurs papes dans l'histoire qui ont écrit des encycliques où ils disent nommément que c'est la religion du diable, qu'il faut les pourchasser, qu'il faut les interdire. Le roi les a arrêtés, il y a des rois qui les ont arrêtés, il y a des papes pareils qui les. Qui, bon, on connaît leur histoire et aujourd'hui ils sont donc organisés dans le secret. Ils ont gagné j'ai envie de dire, la bataille, hein, parce que. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de l'Église catholique? Il ne reste pas grand-chose, hein. C'est uniquement des représentants francs-maçons qui. Surtout que quand tu sais quelques signes de la franc-maçonnerie, tu sais que en fin de compte, le pape, je vais pas, je suis chrétien, non pratiquant, mais je suis chrétien. Mais quand tu vois que le pape fait des signes sataniques en fin de discours, tu te poses des questions quand même. Ben oui. Puis les papes, moi j'ai l'impression, mais même pas les papes, les évêques, tous ceux qui ont le droit de montrer leur tranche à la télé, j'ai l'impression qu'ils sont là pour tout, sauf pour défendre leur religion et leur église, hein. Lorsque l'église est tout le temps attaquée sur les mêmes sujets, les sujets de la pédophilie, pourquoi ces gens-là, jamais, à aucun moment, ne demandent des preuves? Pourquoi on les voit jamais essayer de se défendre, de défendre leurs fidèles, de défendre leurs prêtres, de défendre leur église? Pourquoi ils sont toujours là, à la télé, la larme à l'œil, à demander pardon? Je veux dire, avant de demander pardon, demande déjà des preuves. Hein? Moi, je n'ai pas vu de condamnation. Ça arrive toujours, une fois que les prêtres sont morts, une fois que la personne qui accuse est adulte et sans pouvoir faire ni enquête ni quoi que ce soit parce que soi-disant c'est la prescription, etc. C'est trop facile, hein. Moi, ça me fait penser à Flavie Flamand, hein. Enfin, je fais là un Attends, raccourci, mais c'est la même chose. Vas-y. mais dis, parce que tu as un petit commentaire, là, parce que bon, c'est vrai que, comme on dit, les paroles sont pas les actes, mais il y a quelqu'un qui te marque, après là où je bug, quand on t'écoute, mais dis, tout le monde est mauvais. Faudrait voter pour qui? C'est sûr que la question est pas trop mauvaise. C'est Eh vrai bien, que. justement, je n'arrête pas de le dire. Tout est corrompu, Linda. Tout est corrompu. Le tableau, je sais que le tableau est noir, mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux que j'enjolive la réalité? Moi, je te dis les choses comme elles sont, hein. Le tableau est noir. Tout est corrompu. Ils sont tous tenus, et sinon, ils seraient pas là. Et regarde, des gens comme moi, enfin, je veux dire, ça fait des années, je me suis présenté aux législatives. Pourquoi je n'ai pas de parole? Il n'y a pas que moi. Il n'y a pas que moi. Il l'a dit, Coluche. Coluche a tout dit de toute façon. Il a dit, les médias ne peuvent pas dire la vérité. Il y a trop de gens qui les regardent. Mais tout est tenu. La République a été créée sur le complot par des complots, des complotistes, pas des complotistes, comment dire, des comploteurs, par des comploteurs. Donc, comment tu veux aujourd'hui trouver quelqu'un de bien? C'est verrouillé, ils sont entre eux, c'est pas possible. Je vais pas te mentir, moi, juste pour te prouver que je peux dire du bien sur quelqu'un. C'est comme ça. Maintenant,
des personnes qui ne font pas de la politique, des personnes qui ne font pas de la politique, il y en a des biens. D'accord? Mais si tu me dis aujourd'hui, donne-moi quelqu'un qui est élu quelque part, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, tout simplement. Pourquoi tu veux m'obliger à te dire que. Tu sais, le proverbe qui dit, écoute celui qui te fait pleurer, n'écoute pas celui qui te fait rire. Moi, j'ai pas envie de te faire rire, hein. Alors, Ouais. Mais de Brahim, toute c'est façon, bien, par tu rapport à dis ce le que. vote est une imposture. C'est exactement ça, Brahim. Et comme tu. Linda, tu dis j'aimerais, donc tu rajoutes, j'aimerais que tu nous montres des vidéos de personnes correctes. Si. J'ai montré, tu sais, des personnes qui font pas de la politique, qui se présentent pas, j'en montre tous les soirs. Linda, ne serait-ce que la personne de regarder.org, je pense pas qu'il songe à se présenter, mais c'est quelqu'un de fabuleux. Je veux dire, tu peux pas non plus, Linda, dire n'importe quoi. Moi, je te réponds, il n'y a pas de souci, mais réfléchis un peu aussi aux reproches que tu me fais. Je comprends pas la J'ai question. montré aussi, les enfants du juge Roche qui parlent cash, c'est des gens bien. Je n'arrête pas de montrer des témoignages de gens justement qui dénoncent. À partir du moment où les gens dénoncent, ils ne peuvent être que bien parce qu'ils se mettent quelque part en péril, ils prennent des risques, ne serait-ce que d'être isolés, limogés pour certains et d'autres. Donc il y a des gens courageux, il y a des gens qui osent. Et c'est certainement pas. Écoute, je pense que toi, Linda, tu dois être une fan ou alors tu dois avoir ta carte à l'UPR parce que si tu réagis comme ça, c'est que Asselineau, ça t'a pas plu ma critique. Mais les gens qui sont, encore une fois, quelque part dans le système, qui ont une parole dans les médias, tiens, Dieudonné, quelqu'un de bien, regarde, il n'a plus accès aux médias. Regardez toujours ce rapport. Ceux qui accèdent aux médias, ceux qui n'y ont pas le droit, ceux qui peuvent donc critiquer, exposer leurs idées, leur avis, et ceux qui sont punis. Tariq Ramadan, regardez comment il a été ultra puni. Il y a plein de gens de valeur, mais ils sont pas, encore une fois, élus, tout simplement. Ils sont pas élus. En tout cas, on les montre pas. On les montre pas. C'est pour ça que tu les vois pas et c'est pour ça que moi je peux pas te les montrer non plus. Ils y sont pas, d'accord? Ils sont pas dans les merdias. Maintenant, il y a quelqu'un de valeur. Je vous montrerai une autre fois une de ses vidéos parce qu'il en fait beaucoup. Vous pouvez aller le chercher. Et justement, alors effectivement, il tient un mouvement, mais il parle pas donc de se présenter nommément. Il y a ma photo avec lui, je l'ai rencontré une fois. C'est Eric Fioril. Oui, voilà, c'est que moi, Eric Fioril, je peux te dire que c'est quelqu'un de bien. Hein, c'est quelqu'un, il n'y a qu'à regarder ses vidéos. Du début à la fin, il cogne sur la franc-maçonnerie. D'ailleurs, j'ai adoré lorsqu'il a convaincu un haut gradé, donc je crois qu'il était de la police, oui, les motards de la police, ceux qui font les défilés le 14 juillet, qui a intervenu avec lui en tenue et qui a dit merci Eric, je confirme que Coluche a été tué, on a essayé de me tuer plein de fois, soi-disant que c'était un comment dire. Attention Richard, il y a ton Ah, micro. excuse-moi, j'ai oublié. On a essayé plein de fois de me tuer, soi-disant que c'est une erreur lors d'exercice, parce un collègue lui a mis une balle, genre c'est l'exercice, et puis excuse-moi, excuse-moi. Une fois, deux fois, il a dit, bon bah vous essayez de me tuer. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que le lendemain matin, cette vidéo, elle existe, hein, vous pouvez la trouver. Bah, je vous la montrerai, vous savez, je vous la montrerai, comme ça, vous verrez Eric Fioril aussi. Et donc, bah, le policier gradé en question, il a été interné d'office en psychiatrie. C'est pour vous dire, hein. Aujourd'hui, je ne sais pas exactement ce qu'il en est devenu. Il y a eu donc Eric qui est parti sur place pour le soutenir avec
quelques personnes, mais après, bon, bah, ça, c'est comme d'habitude, hein, il a fallu passer à autre chose, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Donc voilà, Éric Fiorille a créé le CNT, le Comité national de transition, le comité, je crois, oui, c'est ça, à l'image de ce qui a été fait en Libye, et donc pour préparer la transition, si jamais la révolution aboutit. Maintenant, voilà, c'est quelqu'un de très bien. Il n'y a qu'à regarder ses vidéos, vous verrez. Hein, il tourne pas autour du pot, il expose clairement le problème. Il parle comme parle la personne de regarder.org. Il tourne pas autour du pot. Hein, il te dit que tout est pourri, ils sont partout. Il te donne des exemples. Il a le même discours que moi. Et voilà. Je pense que là, regarde, j'ai pris beaucoup de temps pour te répondre. Je suis désolé pour ton Asolino. Mais voilà. Non, après, à faire un commentaire, je parlais de personnes du gouvernement. Bon, Alors, bah, j'ai répondu à ça. Non seulement, moi j'ai dit il n'y a aucun élu. Donc tu peux partir de, allez, on va dire, tout à l'heure je le disais, aucun maire. Tu vois, c'est l'élection de base. Il n'y a aucun maire, et donc là après tu peux monter, il y a aucun député, il n'y a aucun président de région, il n'y a aucun secrétaire d'État, il n'y a aucun ministre, il n'y a aucun président. Hein, tu montes de la première élection locale jusqu'en haut. Donc c'est pas dans le gouvernement que je vais t'en trouver, hein, désolé. Hein. Et pour ceux qui ont cru à un moment ou à un autre à des messies comme, comment il s'appelle, Hulot, ou d'autres qui sont présentés par le système comme étant des gens intègres. Mais c'est le système qui vous le dit qu'ils sont intègres. C'est pas pour autant qu'ils sont intègres, ces gens-là. Ah mais si vraiment ils étaient, comme tu dis là, Hulot, ils seraient pas partis du gouvernement. Je Mais pense qu'il y a eu un problème, et comme non. ils voulaient plus, peut-être, non? Mais non, c'est trop facile. C'est parce que le Non. système, justement, ne veut pas salir sa réputation. Vu qu'il a une D'accord. réputation installée. Vu qu'il a une réputation installée, il rentre, il sort, et puis ça permet que la manipulation continue. Et puis, ils auront besoin de lui, il viendra sur les plateaux, il parlera, vous croirez qu'il est anti-système, justement, mais en fait, il fait partie du système. C'est comme Tapie, c'est comme plein d'autres. Ils simulent qu'ils s'engueulent. C'est comme Oui, c'est comme Hollande. C'est comme c'est Hollande qui dit. Gros traître Macron, il m'a trahi, etc. C'est lui qui l'a élu. C'est lui qui l'a Oui. élu. C'est pour ça que c'était son ministre des Finances et de je sais plus quoi, C'est une et comédie. qu'il a vendu Alstom, et puis qui dit en fin de compte, Macron il dit non, non, j'ai pas vendu Alstom, et puis en fin de compte, t'as les vidéos qui prouvent le contraire, hein. Eh oui. Voilà. Mais même SFR a trahi, et aussi, Oui. il n'a pas, Voilà. il a pas voulu avouer, mais moi je l'ai montré. Il y a un article où c'est écrit noir sur blanc que c'est lui qui l'a fait. D'ailleurs, comment il s'appelle, celui qui était ministre de l'économie avant lui, Montebourg. Montebourg était parti, enfin, Hollande l'a fait partir parce qu'il n'a pas voulu signer pour la vente avec Drahi. Après, il y a Brahim Javan, encore. De quel droit, c'est une question, de quel droit impose-t-on la démocratie à un peuple? Hein, je ne comprends pas la question, parce qu'une démocratie, c'est le pouvoir par le peuple, normalement, Parfaitement. quand Mais tu... avec Brahim, on est d'accord, il n'y a pas de souci. Il faut que ce soit pour le peuple et par le peuple. Je voulais revenir, donc, les simulations d'engueulade, vous les trouvez, regardez, elles sont perpétuelles et ça permet le scandale, si vous voulez, permet de ne pas parler d'autre chose et permet d'occuper les médias et permet de faire croire. Comment dire, à une liberté qui malgré tout arrive à sortir dans la presse. Le canard enchaîné, ça fait partie du système et ça permet de faire croire que quelque part, même si tout le monde est pourri, quelque part il y a des journalistes qui osent sortir la vérité, quelque part il y a des politiques qui osent dire des vérités. Tout ça, c'est pour que le système persiste. Vous prenez le meilleur exemple pour comprendre le système à l'échelle nationale. Et même planétaire, c'est de prendre à l'échelle de l'entreprise. Quand vous avez les patrons, les cadres d'un côté et les syndicats de l'autre côté, vous voyez tout le manège qu'il y a, c'est perpétuel.
toute l'année, ils s'engueulent par tract interposé, par réunion, par je t'informe de ça, je t'informe de ci. C'est comme là, ça me fait penser à certains là qui viennent tous les jours donner des infos des gilets jaunes, etc. Ça me fait penser voilà, au syndicaliste qui vient tous les jours avec le même feuilleton, donner soi-disant des scoops qui ne sont pas du tout des scoops, mais ils sont ensemble. Parce que comment dire, les supérieurs, les cadres, la direction ne laissent à la base filtre ceux qui deviennent donc syndicalistes élus qui négocient avec eux. D'accord? Les syndicats, à moins que vous créez votre propre syndicat, et encore, mais les syndicats, lorsque donc ils vous proposent donc, c'est eux qui décident si tu te présentes à une élection ou pas. D'accord? Et les syndicats, eux-mêmes, ils vont pas proposer quelqu'un qui va être trop révolutionnaire. Parce qu'ils vont te dire, le but c'est de négocier quand même, il y a des gens qui vont vouloir que tu fasses passer des revendications. Tu peux pas être tout le temps dans la guerre, la révolution, voilà. Donc c'est pipé à l'avance, c'est pipé à l'avance. Vous allez avoir une comédie perpétuelle entre le syndicaliste qui fait des tracts, qui dit ils vont pas vouloir nous donner notre prime, comme si je veux dire le problème premier c'était d'avoir une prime de 50 € 50 € pour présentéisme à l'année. Et le patron, attends. Le patron, donc, le patron, lui, à la base, il a comploté avec le syndicaliste en lui disant, cette année, on va s'engueuler toute l'année pour une prime de 50 €. Et toute l'année, vous avez le cinéma, le syndicaliste, il dit, on va y arriver, tu vas voir, on va y arriver. Le patron dit, non, 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 hors de question, moi, je donne pas. À la fin, il dit ok, je donne 20 euros. Le syndicaliste, il dit jamais, tu verras, ça s'arrêtera pas. Et au bout du bout, il donne 50 euros. Et là, c'est pourquoi je fais le lien avec le RIC, c'est ce dont j'ai peur, parce que c'est le même schéma. Et là, il y a tout le monde qui sort le champagne et qui dit voilà, nous sommes les plus forts, nous avons gagné, bravo, on se retrouve au prochain round. Ben là, c'est la même chose. Le RIC, c'est le même problème. Les syndicalistes et le patron se côtoient, ils ont leur numéro de portable. Moi, je vous parle, j'étais à la RATP, je vous parle de quelque chose que je connais parfaitement. Ils se côtoient, ils fêtent les anniversaires de leurs enfants ensemble, ils vont en vacances ensemble, je vous l'assure. À l'époque, il y avait même un reportage sur M6, à l'époque, hein, à l'époque, sur un scandale comme ça à la RATP. Il y avait une vidéo, quelqu'un qui a filmé en secret une vidéo, on voyait les syndicalistes avec des cadres en train de faire une fête. Donc voilà, ça avait fait grand bruit à l'époque. Vas-y, vas-y. Ouais, c'est parce que j'ai Bernadette Gattard qui a fait un petit commentaire. Bon, nous savons tous pertinemment que ce gouvernement nous malmène. La question reste pacifique et se faire tabasser ou vous proposer autre chose. Alors, j'ai une autre chose. Déjà, il faut changer notre comportement de consommation. Plus aller dans les grandes surfaces, tout ça, boycotter les grandes surfaces et aller dans les magasins de proximité, ceux qui peuvent aller chez les producteurs directement, aller voilà, essayer de faire marcher les commerçants du coin en fin de compte. Pas les grandes surfaces déjà, on va leur mettre une petite épine dans les côtes. Je pense en faisant ça, déjà, si tous les Français arrêtaient d'aller dans les grandes distributions et puis acheter le superflu qu'on n'a pas spécialement besoin, juste pour manger, se nourrir. Et après expliquer aux enfants, bah, tu auras pas peut-être un gros cadeau cette année, ou alors aller chercher chez des artisans qui travaillent très bien aussi avec du bois, etc. Moi, j'ai quelqu'un à côté de chez moi qui fait des très belles chaises, qui fait des très beaux tableaux avec du bois, qui fait de ses mains,
Et ça n'enrichit pas encore ces gros oligarques. Le problème, c'est qu'on paye une TVA, mais ça, on est obligé de la payer, sinon on se fait assommer la tête. Hein. Après, si, on peut prendre le risque de ne pas la payer, la TVA, mais c'est prendre un gros risque. Voilà. Si vraiment tous les patrons ne payaient pas la TVA, moi je le ferais personnellement parce que je vais vous dire ce que je suis, hein. Je suis un éleveur, hein. Un petit éleveur. Hein. Je suis un éleveur de. Je vais vous montrer. Voilà. Hop. Je suis un éleveur de chats. Alors j'ai pas, c'est pas un gros élevage, hein. J'ai que 6 femelles. Mais bon, j'arrive pas à vivre de mon métier. J'essaye de trouver du travail à côté. Ma femme travaille aussi parce qu'on n'arrive pas à vivre de l'élevage. Bon bref, c'est un choix que j'ai fait. Hein, mais si je ne paye pas la TVA, on va me tomber dessus et ça va me coûter encore plus cher que si je la payais pas. Mais si tous les patrons le faisaient, je pense que je le ferais. Mais comme tous les patrons ne le feront pas, je ne le fais pas pour l'instant. Voilà. Eh bien, voilà, c'est très touchant ton témoignage. En plus, tu parles de ton cas. Ah Écoute, oui. moi, en revanche, j'en ai parlé. Donc, je crois qu'on a parlé déjà de ce sujet. Je ne Oui. pense pas comme toi. Je Je sais. pense, voilà, je pense que maintenant tout est centralisé. Les infrastructures sont telles que ne pas aller au supermarché. Mais aller faire de la Non, mais route. peut-être aller au supermarché, mais vraiment prendre le strict minimum, Voilà, de mais vivre. là c'est différent. Là c'est différent. J'ai dit que j'étais pour un boycott. Encore une fois, là aujourd'hui, ce qui est important, c'est de faire la révolution, parce que le boycott, ça se fait sur plusieurs années, ça se fait dans la durée. Donc oui au boycott, mais voilà, c'est pas le plus. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus urgent que le boycott. Ah, parce que je répondais à la dame Parfaitement. Bernadette Parfaitement. Gattard, Oui au boycott. Oui, j'ai compris. Oui, au Oui. boycott, mais pas de cette manière qui dit n'allons pas privilégiant les producteurs plutôt que la grande surface. Moi, enfin, pour moi, excuse-moi. Alors toi, effectivement, si on a besoin d'acheter un chat, on ne le trouvera pas chez Carrefour, donc toi, t'es pas concerné. Mais moi, voilà, je trouve que c'est une bêtise. Il faut dire quels sont nommément les produits à éviter, et ça sert à rien de dire ne les achetez, n'allez pas acheter chez Carrefour, allez chercher, je ne sais pas moi, la supérette de tel coin, parce que lui c'est son propre patron, ça n'a pas de sens, d'accord? Ça n'a pas de sens. Il faut, maintenant que les infrastructures sont telles, il est impossible d'aller faire ses courses en faisant je ne sais combien d'artisans ou de magasins pour remplir un caddie. Aujourd'hui, malheureusement, on manque beaucoup de temps, et donc la manière la plus efficace est d'aller à un seul endroit et de sortir donc avec tous les produits dont on a tous les produits qu'on veut s'acheter en une seule fois, hein, et en un seul paiement. C'est comme ça. C'est aller contre ça, c'est contre-productif pour moi. Là, on te voit bien, là. Là, on te voit très très bien. Là, tu sors très très bien, là. Ah oui, là, Non, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui me demande ce que c'est comme chat. Alors, tu as un siamois. C'est quoi le statut de ton entreprise? Alors, mon statut de mon entreprise, c'est je suis agriculteur, hein, tout simplement en régime simplifié, en réel simplifié plutôt. Et après, en fin de compte, mes chats, c'est des Maine Coons. Alors, c'est des chats qui viennent du Maine, originaire du Maine ou des États-Unis. Et c'est parce que j'adore cette race-là, parce que c'est des chats chiens. C'est peau de colle comme un chien, ça. Et voilà, c'est ma passion, et je le fais avec passion, pas pour l'argent, parce que de toute façon, je peux pas vivre avec. Et si je travaillais pas à côté, bah, je serais dans la rue actuellement. Hein. Voilà. C'était parce que quand je réponds aux gens qui me posent la question ce que c'est, et qu'est-ce que je fais comme statut, au niveau de mon entreprise. Voilà. Ok.
Je crois que c'est demain, c'est une journée. Linda a appelé qui en privé? Je crois que demain, donc c'est une journée très importante, mes chers amis. Ça sert à rien qu'on se fatigue de trop. Je vous propose donc, voilà, je fais le sondage habituel. Voulez-vous qu'on mette le documentaire sur la franc-maçonnerie avant de terminer? Alors, l'info que je voulais vous donner tout à l'heure, c'est au Puy de Dôme. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans les médias. Il y a un corps coupé en morceaux qui a été découvert à Issoire. Et un homme a été arrêté et incarcéré après avoir avoué le meurtre. C'est pour une histoire d'argent, d'après lui. Et il a carrément admis avoir mangé les doigts de sa victime pour justement cacher ses empreintes. Il a bouffé les doigts de sa victime. Des traces de sang humain ont été retrouvées dans une poêle. Voilà, c'était à Issoire. Mes amis, est-ce que vous voulez le documentaire sur la franc-maçonnerie avant de terminer? Comme ça, demain, on est frais, parce que demain, donc, je vais lancer des lives. Je vais mettre tous ceux qui se filment en direct, qui filment en direct, comme j'ai fait samedi dernier, un multiplex avec tous les lives, d'un maximum de lives, j'espère très nombreux. Carrément, oui. C'est un dingue, oui. Brahim, tu dis c'était bon. Je sais pas, faut lui demander. Je voulais dire juste que moi je vais sur une manif demain sur Béziers. Bon, jusqu'à présent, Montpellier, tout ça s'est pas trop bien passé à la fin. Ils se sont quand même fait beaucoup caser. Il y a même un blessé sur Montpellier par flashball. Alors j'espère que demain sur Béziers tout va bien se passer. Parce que moi j'y vais pacifiquement, hein, comme à Bourges, hein, à Bourges, j'y suis allé à Bourges, et ça s'est relativement bien passé. J'ai eu peur sur le coup, parce que de toute façon, comme on dit, la peur n'évite pas le danger, mais il faut quand même aller voir montrer notre en manifestant notre mécontentement contre ce gouvernement et contre de toute façon le gouvernement. Comme je dis, c'est des marionnettes, hein. Ceux qui ont les pouvoirs, c'est l'Europe. Hein. Et voilà, il faut surtout que les Français manifestent pacifiquement, parce que la violence n'arrangera rien à tout ça, à part des blessés. Et de toute façon, de faire le plus calme possible, dans la limite des choses, hein, comme je dis. Après, on ne sait pas nos réactions, comme je disais la dernière fois. Je ne sais pas si j'arriverais à rester calme si je voyais l'injustice qui se produit devant mes yeux. Voilà. Eh bien, sur ces sages paroles, on va voir qu'est-ce qu'on fait, mes chers amis. On met la vidéo ou pas? Merci à toi aussi, Bernadette. Merci. Bah, oui, Marie Lefebvre-Tavernier. Oui, je devais mettre bah, tout ce que j'ai dit que j'allais mettre, je l'ai mis. Mais j'ai tellement de choses à mettre. Il n'y a aucun problème, hein. J'ai une bibliothèque énorme, hein. J'ai des disques pleins. Mais comme je viens de dire, pour qu'on soit frais pour demain, là il est déjà 1h20 passé, pour qu'on soit frais pour demain, donc voilà, je vous propose qu'on s'arrête, parce que demain, du coup, moi demain, comme la dernière fois, le live, je le démarre pas le soir, je le démarre dès l'après-midi, et je continue après toute la soirée sans arrêt. Voilà pourquoi. Nabiha, tu dis non, pas la vidéo, lol. Oui, parce que c'est vrai que je la mets tous les soirs. Beaucoup de disparitions, oui. Alors,
Angélique, merci à toi aussi. On doit rester groupés et filmés parfaitement. Ils doivent tous rester groupés. Il y a beaucoup de disparus, oui. Courage à tous. Merci, Élise. Courage à toi aussi. Parfait. Je suis d'accord avec toi, Brahim. Il y a pas mal d'infos à voir chez Marion Sigaud, Claire Sévrac, Michel Collant, je suis pas certain. Mais Claire Sévrac, Marion Sigaud, oui. L'explosion rue Trévise, on en a déjà parlé. Voilà, mes chers amis. Alors, si vous voulez pas le documentaire habituel sur la franc-maçonnerie, on va s'arrêter là. Mon cher Richard, on va couper. Eh oui, il n'y a pas de souci. Je te laisse. Alors, je te dis bonne nuit. Bah moi aussi, et puis j'espère que mon live. Moi j'aurais été. Ça aurait été bien si on avait été un peu plus nombreux pour argumenter, puis bah, parce qu'on a peut-être une vision des choses que les autres n'ont pas non plus. C'est Non, vrai mais que des fois, bah. c'était pas mal, c'était vraiment pas mal. Faut aussi, faut pas faire des nuits blanches tous les jours. Non, Faut non. qu'on puisse, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure. Et demain, n'hésite pas à venir. Ah oui, de toute façon, je Voilà, serai comme là. C'est parce ça, que là, je avant-hier, pense j'ai que. loupé le live parce que je l'ai pas vu, en fin de compte, c'est ce que je te disais. Finalement, et puis j'étais en famille, et j'ai pas vu du tout le live. C'est pour ça que je t'ai dit, préviens-moi l'après-midi, comme ça, moi, Bah je peux prévoir. demain je démarre dans l'après-midi. Je te préviendrai. Et Ouais. de toute façon, les samedis comme ça, comme en plus je démarre pas trop tard et comme je mets beaucoup de flux donc de direct, il y a plus de monde qui vient donc sur la chaîne. Et forcément, à mon avis, il y aura plus de monde qui voudra, si je le propose, intervenir. D'accord. Et surtout, dis-moi sur quoi tu vas lancer le live. Comme ça, je peux moi après m'organiser aussi pour essayer de trouver les choses à dire sur ça, parce que c'est vrai qu'il faut se documenter, et en se documentant, on peut dire plus de choses sur ce sujet-là. Alors si c'est vraiment que sur la franc-maçonnerie, bah je vais commencer un peu plus. Non mais encore une Après, fois, si ouais. toi t'as un sujet, mais plutôt que de venir sans rien du tout, si tu as un article que tu vas dérouler, lire, commenter, tu vois, c'est mieux. Bah Alors, oui, si tu c'est trouves ça. un article intéressant que tu veux nous faire partager, prépare-le et comme ça je te laisserai la parole, ben voilà, tu nous en parleras. D'accord, y a pas de souci. On fera comme ça, ouais. Puis bah, je t'enverrai de toute façon sur quoi je veux parler. Et comme ça, tu pourras toi aussi me dire ok, ça c'est pas une mauvaise idée ou quoi que ce soit. Comme ça, on peut s'organiser. C'est toi Ça qui vois. marche, ça marche. Voilà. Ça marche, Richard. Bah, je te souhaite une bonne soirée. Bon courage à Merci. toi pour demain si tu vas en manif. Et bon courage à ta famille aussi. À demain. Merci. Moi, demain, donc je reste à la maison pour diffuser les flux en direct des courageux qui partiront sur le terrain. D'accord. Bah, peut-être que là, si on va sur Béziers, si ça passe, parce que des fois, bah, je suis bloqué par Facebook. J'arrive à faire des lives, des fois, j'arrive pas. Alors, pourquoi? Je Eh sais pas. bien, si tu es dehors, bah, je te prendrai en direct et puis Voilà. on communiquera comme ça. Ouais, voilà. Ouais, c'est comme ça au moins je serai sur le terrain. Alors, et espérons que mes lives passent. Parce que quand j'ai fait une manif sur Béziers, des fois j'arrivais à diffuser. Et je diffusais 5 minutes après, bah, je pouvais plus diffuser. On m'avait bloqué mon Facebook. Ah Enfin, oui, ça mon c'est live sûr. Facebook. Voilà. Ça c'est sûr, hein, c'est de moins en moins évident, hein. Ah oui, vive la censure. Eh oui, Voilà. qui ne dit pas son nom, parce que eux, c'est des lâches, ils montrent pas leurs actes.
Non. C'est le Ouais, principe même de leur société secrète, l'obscurité. oui. Et quand on sait qu'ils font de la propagande dans les dessins animés sans qu'on le voie, parce que c'est vraiment caché, ouais, c'est un truc de fou, moi, ça m'écœure. Bah Voilà. oui. On est programmé depuis l'enfance. Hein. Et bien Oui. justement, tu vois, ça pour moi, c'est quand même une cause beaucoup plus noble pour laquelle se sacrifier, se battre, plutôt que des réclamations, comment dire, abstraites, de pouvoir d'achat, le RIC, voilà. De toute façon, comme le RIC, hein. Moi, je dis, si on ne sort pas de l'Europe, le RIC, c'est de la poudre aux yeux. Si on reprend pas, si on nettoie pas nos institutions de la manipulation, comment tu veux voter? Alors que Voilà. c'est pipé d'avance. Voilà. Ça Il sera de la faut poudre aux yeux. Comme je parfaitement. dis, comme en Suisse, hein. En Suisse, ils ont le RIC, hein. Mais le problème, c'est qu'ils votent pas toutes les lois, hein. Et puis, de toute façon, si ça fait comme en 2005, quand on a voté non pour l'Europe, et qu'ils nous l'ont fait à l'envers, bah voilà. T'as tout compris, Mehdi. Richard, faut pas me lancer sur la Suisse. La Suisse, c'est le pays des Templiers, le pays Ah oui, des francs-maçons, le je sais pays que que toute la c'est. planète s'embrasse, fait des guerres, mais eux, ils sont Eh, neutres, ils sont tranquilles là-dedans. la croix maçonnique, hein, tu sais, Bah hein, oui, y en a beaucoup ils des sont croix tous maçonniques. là-dedans, hein. Ils mettent le monde à feu et à sang, et eux, là-bas, ils sont entre rentiers. La Voilà. Suisse, qui normalement n'a pas de ressources, n'a rien, eh ben, la Suisse, elle a l'horlogerie, le chocolat, elle a les banques. Hein, la Suisse, comme par hasard, elle a toutes les merveilles du monde. Hein. En plus, tu sais que les banques, hein, c'est les Templiers qui l'ont créé, la banque. Mais Hein. oui. Et Voilà. le secret bancaire. Tu vas pas me dire que depuis le temps que tous les peuples se plaignent des évasions fiscales, des secrets bancaires, etc., que des pays, je veux dire, puissants comme la France, comme les États-Unis, Ouais. comme je ne sais pas moi, l'Allemagne. Hein, n'aille pas mettre deux claques aux Suisses en disant on n'en a rien à faire de votre secret bancaire. Alors si toute la planète se couche devant le secret bancaire de la Suisse, c'est qu'il y a une raison. C'est que la Voilà. Suisse est beaucoup plus, enfin c'est la puissance, c'est eux qui sont en haut de la pyramide. Ben oui. Pourquoi ils n'ont jamais été inquiétés quand il y avait une guerre, deux guerres allemandes Non, non, mais ils sont avec la neutres. France? Voilà, Ils se sont déclarés neutres, du coup ils ont la paix. Non mais. Voilà, c'est quand même bizarre, hein. Tu fais la guerre à tout le monde sauf à la Suisse, toi. Tout est Moi, là. je fais la guerre à tout le monde, hein. Regarde, l'Empire romain, quand ils ont fait la guerre, ils ont niqué tout le monde, hein. Ils ont pas niqué juste la France, l'Allemagne, puis ils ont épargné l'Espagne et le Portugal, par exemple. Non, ils ont tout. Alors que les Allemands, eux, ils laissent la Suisse tranquille. C'est quand même bizarre. C'est visible et c'est criant, parce que même tu vois tous les manipulateurs qui font fortune, où est-ce qu'ils vont? Bah, ils finissent là-bas. Ils vont se Voilà. planquer là-bas. Tu regardes tout ce qu'a fait Johnny pour aller là-bas, et plein d'autres. C'est bah, si doit y avoir un paradis, bah, ça doit être la Suisse. Hein. Ben voilà, c'est ça, le paradis fiscaux. Paradis fiscal, pas paradis, paradis aussi de confort et de. C'est la coulée douce, hein. Parce que tu regardes par exemple la Suisse, moi qui défends ardemment le revenu universel, eh bien la Suisse, ils ont fait un référendum là-dessus, et eux, moi je dis qu'en France, il y a des calculs qui ont été faits, on pourrait avoir 800 euros minimum chacun, pardon, sans que ça coûte 1 euro supplémentaire à l'État. Et ensuite, en Suisse, comme eux, effectivement, ils ont un peu plus de moyens qu'en France, ils ont demandé au peuple pour 2 400 euros par mois, net. D'accord? Et s'ils ont demandé ça, c'est que ça coûtait pas de l'argent à l'État. Sauf que, bizarrement, ça a été refusé. Ils ont refusé. Et pourquoi? Parce que, ils sont tous rentiers. Hein, ça les intéresse pas. Ah, voilà. Et puis il faut savoir que dans un futur, l'homme sera remplacé par le robot. Et qu'est-ce qu'on va faire de cette main-d'œuvre qui servira plus à rien? Si on veut pas faire comme tu dis, un Une revenu taxe. universel. Ben justement, moi, Oui. dans le revenu universel, j'en arrive
au début, donc on ne fait rien, juste on supprime les organismes distributeurs, les contrôles qui coûtent un bras, et on évitera la fraude, etc. Tout s'équilibrera et on économisera sur les dossiers, les montages de dossiers, le carcan administratif, etc. Donc on part sur 800 euros gentiment, mais ensuite l'idée c'est de mettre une taxe sur les robots qui nous remplacent, qu'on arrête cette concurrence entre humains et robots. Voilà. Au final, on va être content à chaque fois de lâcher des emplois pour les faire occuper par des robots, et on met une taxe sur les robots, et là on peut augmenter les 800 euros, vont devenir 1200, vont devenir 1500. Ah mais L'idée, elle est là. le problème c'est qu'ils c'est pas ce qu'ils veulent faire, hein. Le problème c'est ça, hein. Ce qu'ils veulent nous remplacer par des robots, et ce qui nous emmène à l'ordre mondial, hein, nouvel ordre mondial, hein. Ce qu'ils veulent nous remplacer pour avoir encore plus d'argent, plus de pouvoir, et en fin de compte, toi, bah, celui qui est le petit Jean, bah, tu sauteras ou on va te t'auras à peine pour vivre et encore, tu seras obligé de faire. Et il y en aura de plus en plus. C'est ça le problème, c'est que les pauvres vont en avoir de plus en plus. Alors, vas-y, excuse-moi, Oui, Marie vas-y. Lefebvre Tavernier, surtout pas, tu te trompes, Marie Lefebvre, tu dis comme Benoît Hamon, visionnaire, mais pas du tout, pas du tout. Je t'explique, Marie, j'étais face à lui aux législatives et j'avais mis moi aussi dans mon programme donc le revenu universel. Sache que Marie, le revenu universel, ça date pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas une de mes inventions, ni celle à Hamon. Ça fait au moins dans les années 70 qu'on en parle, qu'il y a beaucoup d'économistes et de gens qui poussent justement pour que ce soit adopté, peu importe le pays au monde. Et tu comprends pourquoi ça n'a pas été adopté, parce que ça les arrange pas. Donc Benoît Hamon, c'est de la poudre aux yeux, ça. C'est justement, j'en parle. J'obtiens 4% de vote, donc personne n'en veut. Ça fait un peu ça, hein. C'est pour dire, là, à chaque fois, quand tu arriveras sur un plateau, ou même si tu veux si tu veux placer ça dans un RIC ou quoi que ce soit, on te dira toujours ce que tu viens de dire. Non, mais le peuple ne veut pas. Regardez, Benoît Hamon l'a fait, c'était pas un succès. Donc voilà, c'est très mauvais, hein, ce qu'il a fait, Benoît Hamon. Parce que lui, il savait à la base le rôle qui était attribué, lui était attribué, c'était pas de gagner, c'était de perdre. Et donc voilà, ça c'était un désastre. Benoît Hamon, c'est une catastrophe, hein. Ne va pas aimer ce personnage funeste. C'est vraiment une catastrophe. Il se fait passer encore une fois pour un révolutionnaire, pour quelqu'un qui est du côté des pauvres, du peuple, etc. Il n'y a qu'à voir, toi qui parles tout le temps de ça, Richard, il n'y a qu'à voir sa femme chez qui elle travaille. Hein. Sa femme travaille, si je me trompe pas, hein, pour un des banquiers. Rothschild. Je ne sais pas si c'est Lazare ou Rothschild, mais voilà, lui, il se montre donc comme étant anti-banque, anti-finance, je ne sais pas moi, Rothschild, alors que sa femme y travaille. Voilà, c'est de la manipulation, ma chère Marie. Bon, eh ben, au moment où on allait se quitter. Là, vous êtes arrivés en masse, vous êtes 30. Et je voulais voir, je me demande si on n'a pas, si c'est exceptionnel ce soir, si il n'y a eu aucune coupure. Je vais vérifier. Ah oui. Ah oui. Bon, bah super. C'est peut-être de bon augure, hein, pour la suite, hein. Ce soir, il n'y a eu aucune coupure. C'est bien. Ça doit être ton chat. Qui nous a apporté le Ouais, bonheur. peut-être. Voilà. Mais ouais, Tiens, je vais c'est. voir s'il n'y a pas une petite info qui est tombée, bah, maintenant qu'il y a du monde qui est arrivé. Et puis, on a du mal à se quitter, hein. C'est quand même passionnant. Et puis c'est en parlant et en qu'on arrivera à avancer, de toute façon, parce que il y a peut-être certaines personnes qui se sont fait abuser par le.
par notre gouvernement et qui croyaient encore, de toute façon, à ce gouvernement. Mais le problème, c'est que c'est de la poudre aux yeux aussi. Moi, j'y crois plus. Hein. De toute façon, depuis que je sais ce que c'est, qu'on vote l'un ou l'autre, on sera toujours manipulé si on ne change pas ce système de gouvernement. De toute façon, hein. Faut dire que la Ve République, elle est morte. Hein. Malheureusement pour De Gaulle, qui était un grand homme quand même, on ne va pas dénigrer De Gaulle parce qu'il a essayé quand même de faire quelque chose. Et je vais te décevoir, hein. De Ouais, Gaulle. je sais, j'ai entendu des choses aussi, parce que bon, mais c'est quand même un homme que je respectais, parce que il était quand même, voilà, mais bon, on va dire que quand les Français, ils ont pas été très contents quand même, bon, c'était le seul qui a dit, bon, bah, je pars, je pense qu'il aurait peut-être pas dû partir, comme ça, mais bon. Non, mais Après, je c'est sais ce que De tu veux me Gaulle. dire pour De Gaulle, hein, t'inquiète Vas-y, pas, qu'est-ce que je vais te dire? mais. Bah, c'est que en fin de compte c'était pareil, c'était il a été manipulé aussi par ce Bah, système-là. non, lui c'est un manipulateur. De Gaulle se laisse pas manipuler quand même. Non, lui à la base c'est un manipulateur. Mais De Gaulle, je vais dire, on peut pas, comment dire, glorifier quelqu'un qui a commis des massacres abominables, en tout cas au moins en Algérie, pour pas parler d'autres pays. Ah On peut pas, oui. d'accord? Ouais, si tu parles de par Ah rapport à oui. ça, oui, c'est Ah oui, non, sûr mais que oui. il a été là-dessus, il a été sanguinaire. Oui, Hein. oui. Non, mais de toute façon, tout, bah, comme Napoléon et tout ça, hein, il faut pas se leurrer, hein. Pour quelqu'un qui est parti à Londres et qui a vu son pays, hein, envahi et qui a résisté et qui est revenu, dans son pays libéré, aller donc envoyer son armée commettre presque la même chose avec un autre peuple, moi franchement je vois pas, je le glorifierais pas. Quelqu'un qui marche Gilbert Chabrol. Moi, je suis très énervé par certains transporteurs qui ne respectent rien. Voilà, je vois pas trop le sujet là. Tu vois, Mehdi, toi, ce commentaire-là? Oui, parce que nous, tu sais, je me rends compte que, tu sais, on évoque beaucoup de sujets que même nous, après, on se dit c'est quoi, mais on a dû en On parler. a des. Ouais, on a dû dériver sur quelque chose et. Voilà, même nous, après, on se rappelle plus. Ouais, parce que comme c'est en différé, ouais. Il y a toujours 30-40 secondes de différence par rapport au live. Ah, peut-être Gilbert, bah, peut-être il donnait un avis sur. C'est conduire sur la route, les livreurs, les transporteurs Ah. qui conduisent parce qu'ils ont des impératifs. Ah, ça. Après, les routiers, ils ont pas une vie facile non plus, hein. Il faut pas leur jeter la pierre, hein. C'est vrai qu'ils ont un certain, bah, ils ont un quota à respecter, hein, malheureusement. Et moi, je suis pas routier, hein, mais j'ai des amis routiers. Et ils le disent, de plus ça vient, et plus on nous en demande, et plus on doit aller vite, et plus on doit. De toute façon, on est dans un monde de productivité, c'est ça le problème. On nous demande d'être de plus en plus productif, et malheureusement, c'est pareil, hein, les transporteurs routiers se feront remplacer par des transports routiers autonomes, hein. Il faut pas se leurrer, hein. Marie Malheureusement Lefebvre, pour merci. Tu dis, on n'arrive pas à vous quitter, Richard et Mehdi. eux. Merci, Marie. Ben, nous non plus, hein, tu vois. Nous non plus. C'est malheureux. Moi, j'ai bien peur de l'avenir quand même, hein, par rapport à cette robotisation qui serait très bien pour l'homme, mais qui va, je pense, nous la mettre à l'envers en fin de compte. Parce que le modernisme est très bien en soi-même, hein, pour aider l'humain à avoir de moins de charges sur les épaules. Le problème, c'est qu'on veut nous remplacer comme une certaine androïde israélienne qui a dit, de toute façon, hein, ce qu'on fera du peuple superflu, hein, je dirais pas le mot, mais. Tu sais de quoi je veux parler. Tiens, l'acte 10, il a démarré ce soir à Antibes, au péage de l'A8.
À Donc de Antibes. l'ordre sans sur place, c'est dommage, on n'a pas de vidéo en direct, mais là je vais vous montrer l'article avec des photos. On est en plein acte 10. Hop. J'enlève ma vidéo. Voilà. Des gilets jaunes investissent le péage de la 8 à Antibes, les forces de l'ordre sur place. Bravo, je suis content. Ça me fait du bien. Ça veut dire qu'il va y avoir une belle mobilisation. Bravo les gars, chapeau. Alors, à Antibes, l'acte 10 du mouvement Les Gilets jaunes a été lancé ce vendredi aux alentours de 21h. Une trentaine d'entre eux a investi la grande barrière de péage de l'autoroute A8 au nord de la cité des remparts. Des manifestants occupaient les lieux avec des palettes et des pneus vraisemblablement pour bloquer les voies de circulation. Bravo les gars. Ça fait plaisir. Ah, c'est motivant, ça va être un succès. Ça va être un succès. Qu'est-ce que c'est motivant? Rien que d'imaginer la tranche à Macron et à Castaner et de tous les francs-maçons là qui ont cru. Avec leur simulacre de débat. Regarde comment c'est beau. Bravo les gars. Les gars et les femmes. Bravo. Magnifique. Super. Bon bah voilà la bonne nouvelle avant de se coucher. Franchement, là, j'ai le sourire. Franchement, j'ai le sourire. On n'est pas seul, comme tu dis, Richard. On n'est pas des fous. Regarde, tout le monde a vu que Macron, il se moquait de nous. Tout le monde a envie de lui donner une bonne leçon, un bon message. Et regarde, rarement j'ai vu un acte, un samedi démarrer aussitôt, c'est-à-dire le vendredi au soir. Rarement j'ai vu ça. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire demain ça va être beau. Demain ça va être beau. De toute façon, à mon avis, demain, oui, ça risque d'être beau parce que moi, je dis, bah, je suis un peu les directs du Sud. Hein. Alors, ça me désole quand on dit que le Sud ne fait rien et c'est pas vrai. Hein. Au contraire, hein, le Sud est très très actif. Hein. Parce qu'en fin de compte, Béziers, je te dis, demain, il y a un gros appel pour descendre sur Béziers. Bon, la manifestation a été déclarée. Et bon, comme on sait, hein, des fois, bah, même si c'est déclaré, bah, ça part en pot de cochon. Parce qu'on est soit bloqué par les CRS, soit on peut pas avancer où on veut. Et en fin de compte, ce qui s'est passé à Paris, hein, ils ont dit il y avait des portes de sortie, mais non, il n'y a pas de portes de sortie. Ils se sont fait cercler, gazer, et voilà. Hein. C'est malheureux, mais c'est comme ça s'est passé. Alors j'espère qu'à Béziers, ça va bien se passer. Alors, juste pour lire rapidement, Marie Lefebvre, tu dis, croise les doigts, Mehdi, on va gagner, Marie. Donc, juste pour dire que Gilbert, donc, il commence par dire, moi, je suis inquiet pour l'avenir de la France, car ça dure. Et là, j'ai adoré la réponse de Marie Lefebvre, qui dit, ce qui m'inquiéterait, c'est que ça ne dure pas. Et là, je suis d'accord avec toi, Marie.
Je suis d'accord avec toi. Moi, je suis content que ça dure. Et si on peut comme ça être fier, retrouver un petit peu, parce que là, franchement, on retrouve de la dignité, on retrouve de notre orgueil. Hein, ils ont peur de nous. Ils veulent que ça s'arrête. Alors ils sont prêts à jouer à n'importe quoi pour manipuler. Un coup des débats. Un coup, je t'enlève la taxe, un coup, je te rajoute une prime. Ça, c'est magnifique. Donc, moi j'aimerais. Si on n'arrive pas donc à chasser la franc-maçonnerie, au moins qu'on puisse vivre comme ça au gré des samedis, des manifestations qui se succèdent, il n'y a pas de souci. S'ils veulent tenir comme ça des années à avoir le peuple tous les samedis qui les contestent. Qui donne de la voix, qui comme ça, il y a une cohésion, on fait des lives, on se parle sur le terrain, on communique, on se montre sur les ronds-points, etc. Moi, je suis preneur. Moi, je préfère ça plutôt que comme avant, qu'on soit chacun isolé pour beaucoup, en ne se rendant pas compte de ce qui se passe, de la prison dans laquelle nous vivons. Moi, je préfère vivre ça. Et donc les samedis comme ça, moi j'en veux pour toujours jusqu'à la libération. Après, il y a Gilbert qui marque, oui, sûr, mais certains Français en ont marre de nous. Je ne pense pas que la plupart des Français en ont marre. Non. Je pense que 80% des Français sont avec les gilets jaunes. Peut-être qu'ils sont pas tous sur des manifs et tout, parce qu'ils peuvent peut-être pas, ils sont peut-être handicapés. Moi j'ai un ami, il peut pas aller sur les manifs parce que sa femme est gravement handicapée, elle a eu un AVC, et il peut pas aller sur les manifs parce qu'il est obligé de s'occuper de sa femme. Mais il soutient les gilets jaunes fortement, et quand je vais sur un live, c'est le premier à me suivre sur un live ou quoi que ce soit. Au contraire, je pense que beaucoup de Français soutiennent les gilets jaunes alors qu'il est. Qu'est-ce qu'il y Alors, a je pense que sur oui. C8, il y a quelqu'un qui dit C8. Delphine Pirot, qu'est-ce qu'il y a sur C8? Attends, je vais regarder Mehdi. Regarde. C8. C8, C8. Qu'est-ce qu'il y a c'est sur les 8? Attends, j'enlève le micro pour pas que. Ou je peux le laisser, mais. À toi, dont Je sais pas l'excentricité ce qu'il déplaît dit, à hein, ce il monde fonctionne plus. conformiste. Ça y est. Si À la télé toi ne qui es fonctionne passé à plus, côté de tes merde. rêves, à vous tous Bon, c'est qui avez pas aussi pour le droit coup, au je meilleur regarde. café, un Alors, nouveau je fais monde ça. s'ouvre à vous. Hop, je fais comme ça. Nespresso présente On Vertuo, met la une télé. technologie toutes les tailles de Tiens. café. Je te jure. Hein. L'obsolescence, c'est On y va? terrible. Oh là là. Avant une télé, ça durait 20 ans. Maintenant, ça dure 5 ans. Et encore. Je suis gentil. Allez. Je te jure. Allez, dépêche-toi. J'adore les Bon, télés. bah, peut-être si tu nous l'écrivais, Bon. Ouais, on parce que irait moi, plus je sais vite. pas. Ma télé, elle fonctionne plus. Ouais, il y avait de la pub. C8, les blessés, gilets jaunes, Hanouna, mais c'est pas bien ça, Hanouna, tu veux m'envoyer. Non, non, Hanouna qui fait caca, moi je m'en fous de ça. Ah, Alors, c'est Hanouna. Ah bah ça, c'est pas la Hanouna, peine de chercher. je dirais rien sur Hanouna, mais c'est pas une bonne référence, Hanouna, on va Voilà, dire. c'est ce que tout le monde dit là. C'est ce que Alors, tout le monde dit. Hanouna. Ah Donc ça, c'est vraiment l'émission que je regardais jamais. Et c'est depuis qu'il y a les gilets jaunes que je commence à. Ah, et encore, je la regarde une fois de temps en temps. C'est la dernière fois que je l'ai regardé, c'est quand il y avait les gitans qui étaient invités. Sinon, je ne regarde pas cette merde parce que c'est vraiment de la propagande. De toute façon, c'est pour diviser. C'est une seule chose, c'est ça. Alors, c'est comparez-vous à la haine de certains gilets jaunes envers les journalistes. Non, comprenez-vous la haine de certains gilets jaunes envers les journalistes? Mais vous Je sais imaginez pas si pour moi t'entends. l'émotion de voir des gens. Attends, j'enlève. Je fais moi. Après, Karim a raison. Karim a raison. Karim a raison.
c'est que, ouais, madame, on a trop d'enfants qui nous aiment. On a mais Cyril, oui, non, mais c'est très facile de faire rire. Moi, j'ai grandi. Attends, parce que moi, je t'ai pas mis à l'écran, je vais te mettre. Non, tu vas pas nous mettre ça. Qu'est-ce que tu dis, Mehdi? Je dis, tu vas pas nous mettre ça. Ah non, mais c'était juste pour te montrer. Merci. Le choix, il parlait et la merde qui diffuse en fait. Moi, je suis. Non, pas Anouna, C'est Delphine, regarde Anouna, nous, on connaît. Hein. Ah oui, non, mais ça, c'est clair. Ça, Anouna, j'ai jamais regardé. J'avais jamais regardé Anouna. Je l'avais regardé une fois et j'ai dit, c'est quoi cette émission de. Voilà. Et franchement, c'est parce que j'ai les gilets jaunes que je commence, que je regarde une fois de temps en temps parce qu'il y en a un qui dit, ouais, regarde, regardez la C8. Alors j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a sur la C8? Alors je regarde et puis là, je vois Anima. Je dis, putain, c'est pas possible. Les gens, ils sont encore en train de regarder Anima. Bon, bref, on peut pas aller contre les gens. Hein. On est libre de nous regarder. Ah, vous l'avez vu, ce maire qui parle de la mascarade? Mascarade. Il y a un maire là. Attends, qui parle de la mascarade, ouais. Du mascarade du débat. Tiens, je vais mettre ça. Vas-y. Bonsoir à tous. Voilà. On sort ce soir de la réunion des maires avec Monsieur Macron à Souillac. Et je peux vous dire que c'était une véritable mascarade. Donc comprenez bien, je suis maire de ma commune, des gens se sont mobilisés, ont rempli un cahier de doléances, ont fait plein de remarques, se sont mobilisés et m'ont mandaté pour apporter ce cahier de doléances. Et à quoi a-t-on assisté? À un soi-disant débat, et le président Macron a eu l'audace de dire que c'était un débat sans filtre. Or, il n'y a eu que des filtres. Premier filtre, aucun citoyen présent, des barrages à plus de 10 km, des contrôles d'identité dans tous les sens. Et à la fin, quand on est arrivé dans la salle, j'avais demandé à pouvoir intervenir, bien entendu. Et qui présidait le débat? Un ministre. Je vois pas en quoi il est indépendant pour présider un débat. Et ensuite, pour chacun des 13 départements, 2 ou 3 intervenants par département. Et qui choisissez les intervenants par département, les préfets du département. Alors vous imaginez un débat présidé par un ministre avec les préfets qui choisissent ceux qui doivent intervenir. Cela n'a pas empêché quand même un président d'association de maires ruraux d'avoir été au milieu des cireurs de pompes, quelqu'un qui a osé élever la voix et remettre en cause M. Macron. Mais la voix des Gilets jaunes, la voix du peuple, elle, personne ne l'a fait entendre. Et donc, c'était une véritable mascarade. Et c'est pour Monsieur Macron un moyen de faire campagne, oui, de faire campagne, parce qu'on est dans une campagne électorale, clairement, en utilisant les moyens de l'État, des milliers de gendarmes, de policiers, tous les moyens de réception, toutes les autorités. J'étais impressionné par président de région, ministres, députés de toute la région qui étaient venus, de La République En Marche, tous ces gens mobilisés pour entourer 2 petites centaines de maires dont une toute petite partie n'a pu parler. Donc nous avions joué le jeu. Nous avons dit, nous allons répondre à l'invitation. Et les administrés de ma commune ont dit, on va aller porter nos revendications. Et puis en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de débat. Donc, la mobilisation des citoyens pour leurs revendications doit se poursuivre et doit se faire sous toutes les formes nécessaires, de manière pacifique. Mais ne comptez pas sur ce débat officiel pour être entendu. Il faudra passer par d'autres expressions pour pouvoir faire entendre notre voix. J'ai été frappé que dans toutes ces présentations, notamment
de Monsieur Macron, il y a une chose qui domine. Je ne changerai pas de cap. Il maintient ce qu'il appelle la politique de l'offre. Et il maintient son refus de faire payer les plus riches. Et il maintient cette idée que si nous voulons obtenir quelque chose, eh ben ça sera en diminuant un autre service public, une autre aide sociale. Que donc, c'est une mascarade absolument lamentable. Mais nous en avons fait la démonstration aujourd'hui. Donc je crois que cela va éclairer tout le monde. Et vous savez, il y a des mots qui n'ont pas été utilisés. Le mot salaire, dans le discours de M. Macron, des mots n'ont pas été utilisés. Le mot salaire minimum, l'augmentation des salaires, l'augmentation des retraites. Il y a un mot qui n'a jamais été utilisé. Le mot de pauvreté, la lutte contre la pauvreté. Tous ces éléments-là ont disparu. Et aujourd'hui, on a un président qui va chaque semaine mobiliser tous les moyens de l'État pour faire sa propagande, pour essayer de gagner du temps. Et bien face à ça, la mobilisation des Gilets jaunes, la mobilisation des salariés, la mobilisation des enseignants, la mobilisation des lycéens, des étudiants, de la jeunesse aujourd'hui, doit pouvoir s'amplifier et tenir et exiger une réponse. Je pense que la preuve a été faite aujourd'hui que ce grand débat national, c'est un grand blabla national qui n'a pas d'objectif que d'enfumer le peuple. Voilà la conséquence ce soir que je tire de cette journée. On a fait 4h30 de route, on en fait 4h30 de route pour revenir. On a passé toute la journée là-bas à essayer de pouvoir parler, mais j'étais mandaté par les habitants et j'ai l'habitude de respecter le mandat que me donne le peuple. Eh bien, je rends compte ce soir de ce mandat. Nous prendrons le temps de nous réunir sur le terrain et de nous mobiliser dès demain. Voilà, nous le ferons dès demain samedi. Mais voilà, nous avons rempli notre mission et les choses sont maintenant claires. Le grand débat national, c'est vraiment quelque chose, une opération d'enfumage. Merci, bonne soirée à tous. Bon, moi je suis désolé, hein. Ça fait du bien. Ça fait du bien de l'entendre dire ça. Maintenant, encore une fois, on voit là un qui a raté une occasion de parler. Parce que dire tout ça, pour à la fin dire ce qui lui manquait, c'est qu'on lui parle de salaire et de retraite, c'est-à-dire revenir aux mêmes revendications officielles des gilets jaunes du pouvoir, j'ai envie de dire. Bon, il a loupé une occasion de dire la vérité. Il aurait dû parler de corruption, il aurait dû parler, puis dire, passer une couche aux enseignants, ça c'est la propagande officielle, hein. Ça fait du bien d'entendre donc un maire confirmer que c'est une enfumade. J'espère que c'est pas encore une malice, toujours des mêmes de la franc-maçonnerie, pour qu'il joue le rôle du syndicaliste toujours. Hein, il faut face aux méchants, il faut toujours mettre un héros. On ne sait jamais s'il est plébiscité par le peuple, ça peut servir pour éteindre derrière la révolution. Vas-y. De toute façon, moi je l'ai toujours dit, hein, depuis que le débat a été lancé, de toute façon, même un petit peu avant le débat, je disais que ce débat, de toute façon, c'était de l'enfumage de moutons. C'est de l'enfumage des moutons, c'est-à-dire qu'en fin de compte, les maires, je dis que c'est des moutons, hein, c'est des moutons. Hein. Ni plus ni moins, parce que là, franchement, ce qu'il nous dit là maintenant, il aurait pu très bien le dire devant Macron. Je pense qu'il n'a pas, je ne sais pas, je n'ai pas vu tout le débat en entier, mais il faut savoir en plus dans la franc-maçonnerie, hein, des maires hein, dans la franc-maçonnerie. Hein. Alors après, à qui faire confiance, parce que c'est pas marqué sur leur tronche, il n'y a que quand tu leur serres la main que tu peux savoir s'ils sont des francs-maçons ou pas. Tu sais qu'ils ont une poignée de main, les francs-maçons particulières. Ouais, ils ne prennent pas la main
Après, on peut pas. Après, ce qu'il dit, moi je le disais déjà il y a quelques temps en arrière. Hein, je disais que c'était un enfumage, le débat. De toute façon, c'est pour gagner du temps. Alors, hein, gagner du temps, voilà. Pour retarder l'inévitable, hein, de toute façon. Hein, je pense que. Moi, personnellement, comme je crois beaucoup, comme tu sais, à des économistes, et moi, je pense qu'il nous prépare quelque chose de pas très bon. Après, je peux me tromper, j'espère me tromper, hein. Moi, je pense qu'il se prépare quelque chose par rapport à ces cartes-là. Alors, moi, je pensais que ça serait passé beaucoup plus tôt. Je pensais au mois de décembre. Bon, je me suis trompé, puis heureusement, je suis content. Ou alors, est-ce qu'on n'a pas, on n'a pas été dans le souhait qu'ils voulaient? Toi, dans la révolution vraiment violente, et qu'en fin de compte, ils n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient. Parce que moi, je voyais vraiment que le mois de décembre aurait été une date particulière. L'acte 6, exactement, je voyais plus de sang. Voilà. Après, je me suis trompé, puis heureusement, je me suis trompé, je suis content de m'être trompé. Peut-être pas Mais tous, peut-être pas. Enfin, on pourquoi est. ils essayent de ralentir, de nous, enfin, de gagner du temps? Pourquoi? C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Pourquoi ils veulent gagner du temps? Voilà. C'est ça Oui, que j'ai. alors Oui? je vais passer le meilleur, l'un des meilleurs gilets jaunes. Il a été interviewé par Vincent Lapierre, qui est bien. Vincent Lapierre. Juste après ça, parce que là je vais montrer une vidéo, cette gilet jaune, BFM TV l'a fait passer pour quelqu'un qui parle des extraterrestres. Ils ont manipulé l'image. On va D'accord. regarder ça. OK. On est de nombreux citoyens, effectivement, peut-être pas tous, peut-être pas. Enfin, il y a autant de différences qu'il y a d'humains. Vous allez voir où la vidéo a été coupée et montée, coupe qui change tout le sens et les propos. Mais pour autant, nombre d'entre eux réclament plus d'humanité aujourd'hui. Et je pense que, à un moment donné, c'est pas le gilet jaune qui compte. C'est le fait qu'il y ait beaucoup d'humains sur la planète et en France et partout, et que les humains demandent la parole. Et voilà. Et on est 99% d'humains sur Terre. À ma connaissance, puisque moi je compte un jeu des nombres où j'ai entendu parler d'1% d'extraterrestres qui détenaient. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire à Emmanuel Macron? On est de nombreux citoyens, effectivement, peut-être pas tous, peut-être pas. Enfin, il y a autant de différences qu'il y a d'humains. Vous allez voir où la vidéo a été coupée et montée, coupe qui change tout le sens et les propos. Mais pour autant, nombre d'entre eux réclament plus d'humanité aujourd'hui. Et je pense que, à un moment donné, c'est pas le gilet jaune qui compte. C'est le fait qu'il y ait beaucoup d'humains sur la planète et en France et partout, et que les humains demandent la parole. Et voilà. Et on est 99% d'humains sur Terre, à ma connaissance, puisque moi je compte un jeu des nombres où j'ai entendu parler d'1% d'extraterrestres qui détenaient. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire à Emmanuel Macron? Bon, c'est pas. Alors, je vous mets. Il a bien parlé, lui. Ce mec. Je vous mets ça. Ça, très belle. Il l'a bien dit. Peuple réprime des pères de famille. Ah, écoutez ça, c'est du, pas du sucre, du miel, parce que le sucre n'est pas bon. Le miel est plein de bénéfices. C'est du miel, regardez ça. On transpose ça 2 minutes. C'est des bons.
à un pays comme la Russie. Imaginez si Poutine était à 10% d'opinion favorable, avec un mouvement de grève massif qui paralyse le pays, qui est soutenu par 80% de la population, au minimum, d'après les statistiques. On crierait tout de suite au dictateur, à l'inique, à l'ordure, etc. Et bien c'est la situation en France. Macron, sauveur de la démocratie, voilà, réprime son peuple, réprime des pères de famille, réprime des personnes âgées, réprime les revendications populaires légitimes, légitimes. Parce que quand ce type-là me traite de fainéant, c'est quand même, et nous traite de fainéant par la même occasion, c'est quand même à crever de rire. Ce type qui n'a jamais bossé une journée de sa vie dans un emploi qui apporte véritablement de la plus-value. Ce type-là est inutile. C'est le vrai parasite social, c'est Macron. Faut réinsister là-dessus, c'est Macron. Moi, ma patronne me paye. Macron, c'est moi qui le paye. D'une certaine manière, c'est ma pute. Je la refais. On transpose ça deux minutes à un pays comme la Russie. Imaginez si Poutine était à 10% d'opinion favorable, avec un mouvement de grève massif qui paralyse le pays, qui est soutenu par 80% de la population, au minimum, d'après les statistiques. On crierait tout de suite au dictateur, à l'inique, à l'ordure, etc. Et bien c'est la situation en France. Macron, sauveur de la démocratie, voilà, réprime son peuple, réprime des pères de famille, réprime des personnes âgées, réprime les revendications populaires légitimes, légitimes. Parce que quand ce type-là me traite de fainéant, c'est quand même, et nous traite de fainéant par la même occasion, c'est quand même à crever de rire. Ce type qui n'a jamais bossé une journée de sa vie dans un emploi qui apporte véritablement de la plus-value. Ce type-là est inutile, c'est le vrai parasite social, c'est Macron. Faut réinsister là-dessus, c'est Macron. Moi, ma patronne me paye. Macron, c'est moi qui le paye. D'une certaine manière, c'est ma pute. Voilà, c'est trop bien. Trop bien, voilà. Eh bien... Alors, t'es où, Richard? Où est-ce que je t'ai mis? Voilà. Je te laisse finir. Voilà, voilà, il a bien parlé, c'était super. Ouais, mais c'est tout à fait ça. Et en plus, moi je suis en train de regarder un truc là. Parce que tu sais, je m'informe un peu. Et je suis sur une chaîne, là, en fin de compte, l'élite mondiale amène en prison les GITMO 2019. Alors, GITMO, je sais pas ce que ça veut dire, parce que je découvre tous les jours, hein, j'en apprends tous les jours. Alors, est-ce que toi, tu connais le GITMO? Moi, c'est la première fois. Allô? Non, comme ça, non, GITMO, comme ça, ça me dit rien. Il faudrait que je vois de quoi. Dans quel contexte. Je peux te. On va. Richard. Ouais. Il faut qu'on s'arrête à un certain moment. Yeah. Là, moi, je pensais que t'allais parler justement de l'information que moi, je viens de voir. Et, oui, bah, de toute façon, hein, beaucoup de gens disent que. Vas-y. Par rapport au 1% de reptiliens. Ah non, mais ça, moi j'y crois pas. Ça, j'ai déjà développé là-dessus plusieurs fois. Bah, dis-moi sur quoi tu veux, parce que là j'ai vu les vidéos, mais la vidéo dit que voilà, eux ils croient aux reptiliens, moi j'y crois pas. Alors je peux pas, ça accroche pas trop sur. Après, qui est une élite, oui, l'oligarche, hein, les 1% les plus riches. Non, t'as pas compris, c'est BFM qui a coupé la femme, et du coup, elle avait dit, il y a 1% d'extraterrestres qui tiennent la planète, mais c'était ironique, hein, c'était pour dire, nous sommes tous humains, sauf ceux-là, hein, ils sont pas comme nous, donc ils sont supérieurs,
Oui, voilà. Voilà. Mais non, mais il n'y avait rien. Sauf que BFM TV a coupé. Donc, ça s'est devenu. Et après, c'était bien. C'était l'interview du jeune homme avec Vincent Lapierre. Il a très bien parlé. Il a dit c'est moi qui paye Macron. Nous payons Macron. Donc, c'est notre pute, il a dit. Voilà. Le problème, c'est pas le cas. C'est plutôt la pute de. Et 1% les plus hauts. Oui. Non, l'information que je voulais donner, moi je pensais que tu allais parler de ça, l'information que je voulais donner, c'est comme Trump, là, il est imbriqué dans encore un scandale judiciaire, c'est qu'il aurait donc demandé à son... alors, je vérifie. Vas-y. À son avocat, ou à un avocat. Il aurait demandé à un avocat de mentir au Congrès. Ça, c'est, tu sais que c'est comme en France, hein. Tu peux mentir, mais dans certaines circonstances, c'est le parjure, et donc c'est sévèrement puni. Et t'as pas le droit. C'est comme quand on te dit, vous jurez de dire la vérité, rien que la vérité. Bon, ben voilà. Oui. Et donc là, il y a eu beaucoup de spéculations. Est-ce que l'avocat va charger Trump? Est-ce qu'il va avouer que Trump lui a demandé de mentir ou pas? Est-ce que... Et là, ça vient de tomber. Il dit que Trump lui a demandé de mentir. D'accord. Donc voilà, les médias vont feuilletonner sur ça. Enfin, moins les Français, parce que les Français, apparemment, il se passe que les 2-3 nouvelles françaises tous les jours. Il se passe rien de plus. Non, mais de toute façon, Trump, il faut se méfier déjà, moi, ce qu'il fait avec la série, tout ça, se retirer, machin, il faut savoir qu'en fin de compte, hein, il mange dans les deux râteliers, hein, et puis, comme tous ces gens-là, hein, parce que c'est pas une tactique de se retirer de la série déjà. Et moi j'ai du mal avec Trump, franchement. Est-ce qu'il essaie pas de noyer le poisson ou quoi que ce soit? Est-ce que c'est pas voulu? Pourquoi c'est médiatique? Pourquoi toi, ce que tu es en train de nous dire là par rapport à son avocat, comment ça se fait que ça a été divulgué, tu vois? C'est quand même bizarre que ça, un truc comme ça soit divulgué aux yeux de tout le monde. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je lisais Milen Ciosi, qui dit que le présentateur et la chaîne soient une merde, c'est une chose, mais au moins j'ai pu voir les blessés s'exprimer de mes yeux, et c'est le plus important dans l'émission de ce soir. Écoute, oui, toi, tu cherches. T'as toujours pas compris, Mylène, mais je respecte, hein. T'as toujours pas compris que ces gens-là marchent sur le sensationnel. Les Hanouna et compagnie, et les Merdia marchent sur le sensationnel. Donc, voilà, moi je... Le problème, c'est que oui, ils se sont exprimés, mais je pense qu'ils se servent de pour faire leur audience, déjà, je pense. Et je ne sais pas si vraiment c'est un réel... Et puis pour te conforter aussi, pour te conforter, parce que regarde, là où la vérité, c'est qu'ils sont tous pourris, et particulièrement Hanouna fait d'énormes dégâts sur la société, sur toi, tes enfants, ton pays, ta culture, d'énormes dégâts. Et voilà, il arrive quelque part à obtenir ta sympathie par des séquences comme ça. Et il continuera une fois qu'on aura passé donc les blessés, les gilets jaunes, etc. Il continuera à manipuler. Et lorsque tes enfants, tu les verras regarder Hanouna, tu verras ça d'un œil bienveillant. Mmh. Non, moi, je pense pas que Hanouna, de toute façon, c'est. De toute façon, moi, j'en pense pas beaucoup bien, Hanouna. Hein, hein. Bah, tiens, il y en a un qui met Guy Fernandez. Hein. Tu vois juste le commentaire, bah voilà. Le commentaire veut dire ce que je veux dire. Oui, c'est ça. Pas,
Sinon, on va se faire, voilà. C'est ça, mais tu regardes. Des racistes, machin, mais c'est pas le cas, je suis pas raciste parce que de toute façon, j'ai pas été élevé comme ça. Et voilà, regarde, Dieudonné nous l'a dit depuis des années et des années, on l'a fait passer pour un raciste, pour un complotiste, et voilà, parce qu'en fin de compte, on va nous dire ça. Alors, ça y est, on va nous censurer, soit qu'on va nous dire qu'on est des fous ou des racistes. Et je suis pas raciste du tout, j'ai jamais été raciste. Hein. C'est pour aujourd'hui que je vais commencer. Hein. C'est pour ça que je suis contre le FN. J'ai jamais voté FN de ma vie. Parce qu'en fin de compte, de toute façon, il faut savoir que le FN, il mange le même ratatouille que Macron. Hein. Et c'est pour la solution de voter FN pour sortir de l'Europe, parce que de toute façon, elle ne veut pas sortir de l'Europe. Voilà. Eh bien, sur ces paroles, je te propose qu'on s'arrête. Ouais, bah oui. Parce que on n'est pas arrivé à les épuiser, ils sont toujours là. Non, bah oui. Vas-y quand même. Et c'est vrai que l'avenir fait peur. C'est vrai que l'avenir fait peur et c'est vrai qu'on a du mal des fois. Et puis je comprends qu'ils veulent pas partir parce que c'est vrai que peut-être que eux-mêmes veulent peut-être dire des choses, mais qu'ils n'osent pas le dire en live parce que faut voir le faire. Hein. Le live, moi, c'était pas mon fort hein. Avant les gilets jaunes, j'étais toujours quelqu'un qui était quand même assez sur la retenue. Et j'ai dit il faut que je me fasse force et puis voilà. Et alors c'est pour ça peut-être que les gens ils mettent des commentaires pour qu'on puisse aussi lire leurs commentaires, qu'on puisse les partager et donner un peu leur ressenti aussi. Voilà. Non, et puis c'est des personnes très sympathiques. Regarde, Mylène, elle vient de dire si j'ai bien compris, Mehdi. Non, tout c'est. Franchement, c'est super agréable. Ouais. Moi, j'ai dû. Enfin, je sais qu'il faut que je coupe, mais j'ai du mal à vous quitter. Élise, ouais. D'ailleurs, elle dit on a du mal à partir, allez, hop, je pars faire dodo. Eh bien, écoute, Élise, c'est toi qui ouvres le bal. Et moi, je propose voilà, qu'on se fasse violence et qu'on arrête ce live. Comme oui, disait l'autre, il n'y a de bonne compagnie qui ne se quitte. Vas-y. Ouais. Il disait, il y en a un qui marque en route vers le nouvel ordre mondial. Ouais, ça. Ah non, ne nous embarquez pas, parce que là, on va pas s'arrêter. Là, à chaque fois, ça démarre comme ça. Mais c'est difficile, hein. C'est vrai que on a peur, hein, de toute façon. Hein. On a peur de l'avenir. Et comme je dis, hein, si on a peur, c'est qu'on est vivant. Voilà. Sur ce, mon cher Richard, je te souhaite une bonne nuit. Je vais couper avec toi. Je vais ensuite souhaiter une bonne nuit aux autres. Je te laisse leur dire bonne nuit. Bah, bonne nuit à tout le monde et puis merci de nous avoir suivis et j'espère que le prochain live que demain je pense que je serai là hein. Ou alors je serai en live directement à partir d'une manifestation, mais voilà, je vous souhaite à tous bonne nuit et merci de nous avoir suivis et voilà, bisous, bonne nuit à toi Mehdi. Bonne nuit. Hop, je suis à vous dans un instant. Voilà. Alors. Live. Voilà. Eh bien, mes chers amis, allez, je vous dis bonne nuit. Je vous regarde. Hop. Alors, Élise QT, bonne nuit. Patou, bonne nuit. Professeur Joyeux, je suis d'accord avec toi, Patou. Gilbert Chabrol, bonne nuit. Dawidi Ressassé, bonne nuit. Guy Fernandez, bonne nuit. Mylène Chosy, bonne nuit. Merci beaucoup, Mylène, pour ta sympathie et ton ouverture d'esprit. Merci beaucoup, Mylène.
Bonne nuit, Mylène. Et toi aussi. Fais attention à toi aussi. Angélique Spacesi. Bonne nuit. Richard, tu étais avec moi. Bonne nuit. Marie Lefebvre Tavernier. Bonne nuit. Et toutes celles et tous ceux que je ne vois pas et que je n'aurais pas salué, je vous souhaite donc bonne nuit à tous et à toutes. On se retrouve très rapidement donc dans l'après-midi. N'hésitez pas, venez. On va passer un bon moment ensemble, à encourager les autres, à se soutenir les uns les autres. Pour ceux qui ont la possibilité de le faire, mettez un gilet jaune, allez vous montrer. Et si nous restons amicaux, soudés, si nous y croyons, il faut y croire, vous savez, il faut y croire. J'adore ce que disait, ce qu'on attribue à Che Guevara. Demandez, soyez réaliste, demandez l'impossible. Et je vous assure, ça fonctionne. Si vous attribuez des objectifs comme ça dans la vie, ça fonctionne. Soyons réalistes, demandons l'impossible. Mes chers amis, bonne et douce nuit.